here against the Knicks as James lines it up for three and does it again. Thompson on the hop, Curry wide open for three. Yes. He can knock that one. It's another legend saying maybe the best ball handler in the league. As you see, beautiful pass. Russell Westbrook stolen away by Curry. In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Vous êtes bien sur Radio of Basket. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. 5, 4, 3, 2, 1. Collaborateurs du soir, sans plus tarder, on ne perd pas de temps. C'est le show. Allô? Oui, voilà. Oh, le Doc ONP en direct sur le parquet de la radio off. C'est quoi, mon frère?
On est présent jusqu'à la gare. C'est l'heure des guerriers et l'heure des warriors. Oui, oui, à cette heure-ci, c'est les Ken, les survivants de... Ne se lève pas qui peut ou qui veut. Oui, on dit là, c'est les Ken. Ken, le survivant de l'enfer. Alors, chez toi, c'est quoi? C'est 4h40, je crois, non? Oui, oui, mon frère. 4h40 chez toi du matin, 3h40 chez moi en Angleterre, à Manchester. Aux États-Unis, à LA, c'est quelle heure? C'est quoi? C'est 20. À LA, c'est quoi? Il est 19h30. 19h, à LA. Le match devait commencer il y a 10 minutes. Hein. C'est voilà, les trucs qui ont perdu le temps. 22h du côté de Washington, du côté de DC. C'est chaud! Allez, vraiment, on est très très heureux pour tous les auditeurs qui sont connectés en direct live pour cette der de Kobe! Et hein, le doc? Si. C'est ça que ça a commencé proprement. Il y a les musiciens, il y a tout, les Magic. Magic, commente un peu ce que tu as vu déjà le début là, pour les auditeurs. Car, mais Magic Johnson a fait un discours. Mais tout ce qu'on peut retenir dans le discours, c'est qu'il a dû même dire le meilleur Laker ever, c'est Kobe Bryant. Faut que pas que les gars. Maintenant, il y a même les musiciens de Red Hot Chili Pepper, mon frère, les Américains. Seigneur, peut-être le Nambaï met ses buts. Je pense qu'il va marquer peut-être maximum 5 points aujourd'hui. Il me sent celui balle. Là, c'est l'hymne, là, je crois, non? C'est ce que je vois là, c'est l'hymne. C'est joué par un musicien que. C'est même qui ça? Tu connais ce musicien là? C'est le gars des Red Hot Chili Pepper, comme c'est les gars de LA. Ah oui. Allez, j'en profite pour. Il y a Patrice Njeka qui est en ligne, je le rappelle, il va être avec nous. C'est la lover, le Celka Lovers, hein, la club lover Kobe. Ça. En direct. Patrice. Ouais, bonsoir Philippe. Oh, Patrice Djeka. En direct live sur le parquet de la radio off. C'est comment mon frère? Oh, ça va. Tu es en mode Warriors comme tout le monde ce soir? Ce matin, en fait. Non. Hey, comment je suis côté de LA. Je suis à Los Angeles. Tu es du côté de LA, toi? Oui. Il est quelle heure, là-bas? Il est 3h45. 3h45? Hey. Oui. Jika, tu es à LA par Internet ou bien tu es physiquement là-bas? Non, mon esprit est... Ah, parce que j'ai entendu les sourcils, vous ne voulez pas vraiment arrêter. Hein. Ah bon, ouais. Alors dis-moi, Patrice, tu as trouvé le cœur du Warrior, tu ne pouvais pas manquer ça, hein, mon frère? Non, je ne pouvais pas, pour rien au monde. Tu as dit qu'on ne vit ça qu'une fois dans une vie. Voilà, exactement, hein? Toujours. À partir de dans quelques heures, là, le basket, la NBA. Ne sera plus de la même, ce sera une autre NBA, ce ne sera plus celle que nous avons connue depuis, allez, je vais dire depuis les années 2000, vu qu'on parle de Covid, parce que bon. Exactement, ouais. Mais surtout que je remarque cette saison-ci, je dirais qu'elle est assez historique. On a vraiment vécu une très belle saison régulière. Ouais. Et les playoffs sont aussi pareil, quoi. Allez, je vais quand même évacuer les préalables. Hein. C'est vrai qu'on est tous dans l'ambiance de la fête. C'est vrai que c'est un jour de fête. Hein. Bon, c'est vrai que il y a Simon qui a dit que tu as dit quoi? Qu'est-ce que Kobe n'aimait pas? Plus de 15 points, plus de 30 points, tu quittes. Non, moi j'ai rien dit. C'est un jour de fête, mon ami. Les gars vont mettre 2 points, ça va. Les gars vont nous cocher si même moins de 10 points ici. Hein. Ouais, c'est bien. Non, comment? Hey, il va faire 10 points. Ah ok, on espère. Allez, je lance les préalables avant de commencer le show. Donc comme vous le savez, je m'appelle Philippe Hélé. Je suis bien positionné en tête de raquette pour vous présenter le show Flash Basket avec mon compadre, mon guad, hein, le porteur de sac officiel de Stephen Curry, le Doc OMP. Si, bonsoir. Bon, Pour le double MVP de la ligue. Donc voilà. Et nous sommes avec notre auditeur, l'un de nos fidèles auditeurs, Patrice Njeka, qui est là. Ça va mon frère? En forme?
Non, tranquille, tranquille. Ok, ok. Alors, comme vous le savez, aujourd'hui, c'est donc Flash Basket, une émission spéciale. Un Flash Basket spécial sur le dernier match de Kobe Bryant. Pour tous ceux qui le savent, c'est la dernière fois qu'on verra Kobe sur un parquet NBA. Alors, vous savez le buzz qui est en train de se faire aux États-Unis depuis que Kobe a annoncé sa retraite. Ça ne s'arrête pas, hein, Simon. C'est comme si le feu a pris au niveau des États-Unis. Je te dis, cette affaire là. Même Kobe l'a regardé, c'est là, dit que, hey, dans moi, c'est un meilleur mot comme ça. Je te dis, c'est un film qui s'est passé cette saison. Ouais. Donc, on s'est dit au niveau de la radio off basket qu'on ne pouvait pas les rester de marbre et faire comme si on n'avait pas, on allait ignorer cela. Il fallait qu'on soit disponible pour le direct live de ce dernier match du Mamba, le dernier match de Kobe Bryant en NBA. Après cela, on ne le verra plus jamais. Il ne sera plus que dans les highlights YouTube. Gars, les Américains, j'ai peur quand même. Les gars peuvent faire un way dans 2 ans comme ça. Il a 39 dans 2 ans. On commence à annoncer les retours. Jordan nous a trop fait ça, frère. Gars, c'est clair, c'est ça, clair. Comme c'est ça, clair. Dans 2 ans, les rumeurs d'un truc. On dit, quand le gars sent que les Lakers ont déjà une grosse équipe, là, on dit, oh, il y a les rumeurs. Les rumeurs, on begin. Magic Johnson nous a donné, non? Est-ce que Magic ne nous a pas dit ça? C'est clair. Allez, donc, qu'est-ce qu'on a donc au programme ce soir? Alors, vous savez, comme toutes les émissions spéciales qu'on fait au niveau de Radio Off Basket, donc c'est une émission où on va pas se prendre la tête. C'est vrai qu'on essaie d'avoir un programme quand même établi, on essaie de faire les choses proprement. Mais c'est une émission plutôt relaxe où on va plutôt suivre les derniers pas de Kobe sur les parquets. Donc il y a déjà plusieurs événements qui sont passés. Donc on va faire le point pendant le match. On va regarder Kobe, commenter le match, faire le point un peu sur sa carrière avec les invités qui sont avec nous sur le plateau. Et donc voilà, une émission vraiment relaxe, une émission spéciale où on va surtout prendre du plaisir à regarder les derniers pas de Kobe sur un parquet NBA, hein, Patrice Ndjeka? Ouais, toujours. Là, on va voir son enfant stade là. Donc, je le répète pour les auditeurs, pardon, qui nous écoutent pour la première fois. Les préalables, donc à chaque émission, donc comme vous le savez, notre émission n'est pas une émission à fréquence, n'est pas une radio à fréquence, c'est une radio sur internet, une web radio. Donc pour nous écouter, un seul lien, www.radiooff.net. Une fois que vous êtes sur le site de la radio, vous pouvez télécharger l'application TuneIn directement à partir de la page d'accueil de la radio. Ou bien au niveau de tous les supports que vous avez sur internet, que ce soit votre iTunes, Google App, App Store, Windows Store, vous l'avez partout. Une fois que vous avez installé l'application sur votre téléphone, vous pouvez donc taper dans la barre de recherche des radios le nom de notre radio, Radio Off Basket, ou bien simplement Basket, et vous allez nous trouver sans souci. Vous savez, nous sommes la seule radio francophone en activité. Nous sommes leaders sur ce marché, donc on est très très fiers. Donc voilà, allez, le match a commencé, c'est parti, mais je termine très rapidement les préalables là. Donc, pour ceux qui souhaitent participer avec Twitter, il n'y a pas de souci, vous posez votre question, votre commentaire à l'attention du compte Twitter de la radio, ça s'appelle @radiooffbasket, il n'y a pas de souci, vous posez votre question, votre commentaire, votre dédicace, donc pour l'émission de ce soir. Donc à l'attention du compte Twitter de la radio @radiooffbasket. Pour ceux qui souhaitent participer sur Facebook, nous avons donc une page Facebook. Vous pouvez taper dans la barre de recherche sur Facebook Radio Off Basket, bien entendu Radio Espace Off Espace Basket, et vous tapez votre commentaire, votre question à l'attention donc de l'émission de ce soir. Il n'y a pas de souci. Voilà, et dernière précision, nous indiquons que notre émission, comme toutes les émissions de la radio off, est sponsorisée par la marque 8R237, et retrouvez tous les produits de cette marque sur le site www.8R237.com. Nous précisons, je regarde en même temps les images, il y a Kobe qui a fait, il a déjà acheté deux fois, je crois, non? Ouais,
Ouais, là, bien, je regarde même pas le match, je t'écoute religieusement. Ok. Et, allez, je termine. Ce qui me faisait là, c'est que j'ai vu Byron Scott a déclaré Kobe va prendre beaucoup de shoots ce soir. Comme si c'était une surprise. Allez, on termine donc les dernières là pour préciser que notre radio est une radio au service de tous ceux qui souhaitent communiquer sur leurs activités de basket, championnat, détection de joueurs, interviews, organisation de tournois, organisation de camps, etc., etc. Ce service de publicité servant la cause de notre sport favori, il est entièrement gratuit et le restera toujours. Donc, n'hésitez pas à nous contacter par mail à l'adresse info@radiooff.net, info@radiooff.net. Une dernière précision, nous indiquons à nos auditeurs de bien vouloir nous faire signe si vous avez un problème d'écoute pendant le talk show. Comme ça, on pourra régler votre problème. Vous savez, tout va dépendre de votre connexion, votre support, tableur, PC, etc. Et on verra dans la mesure du possible comment régler votre souci. Allez, je viens d'avoir un message de Bryce Ngachu qui nous indique qu'il est prêt à nous rejoindre. Je vais l'ajouter à la conférence. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ce début de match, Patrice? Ouais, disons que le Jazz a plutôt bien commencé avec deux paniers. 4-0 bon. Pour Utah, hein, ouais, pour l'instant. 4-0. Honnêtement, ça n'entre pas encore côté Lakers. Ouais, pour l'instant, ils sont encore un peu froids. Allez, ça sonne du côté de Bryce Ngachu. Donc voilà. Allez. Allô? Allô, Bryce, the nice Ngachu. Ouais. Bonjour, Philippe. Bonjour. Bienvenue bonjour, sur le bonjour. Parquet de la radio off. Le Warrior. Bonjour. Genre mode Warrior ce soir. Ah oui, absolument. Il est quelle heure en Allemagne? Il est quelle heure en ce moment là? 4h52. 4h52. Ouais, donc tu as la même heure que Paris, que la France en fait. Exactement. Ouais, ouais. Ouais. Bonsoir les gars, ou bonjour. Donc tu avec Patrice, Njeka là et Simon qui sont là. Ah ok. J'espère qu'il n'y a pas de haters. Non, il n'y a pas de haters. C'est une soirée spéciale ce soir. Off, hein. Ils sont réveillés. Ils sont sur le off. Ils sont réveillés. Alors, Bryce. Ouais. Bryce. Oui, je t'écoute, Philippe. Oui, je voulais dire, tu as vu sur le parquet, on a placé le numéro 8 et le numéro 24. Ouais. De chaque côté du parquet. On commentait avec Simon, justement, on se disait que Kobe lui-même, il doit être un peu surpris de voir tout ce Ndolo-là. Un gars qui n'a senti que le hate toute sa vie, subitement, c'est l'amour. Je t'ai dit. Non, mais c'est vrai. Et justement, avec Simon, tu le disais, hein, Simon, tu le disais que... Ah, pour l'instant, rien n'entre. Hein. Simon, tu le disais, toi, que Kobe était détesté un plus que LeBron James. Oui. Parce qu'il n'y a pas Facebook de maintenant, les gars ne savent pas. Il était encore plus détesté que LeBron James. Mm. Maintenant, les gars pleurent une petite haine. Ils pleurent. Alors. Les gars, je sens que les Jazz sont venus gâter la fête ce moment, mon frère. Les gars ne veulent pas nous laisser. Les gars, c'est les Mormons, mon frère. Les Mormons, un sale esprit. Waka, dis donc. Non, pas Jung, ça va pas Jung. Le match rentre doucement là. Ouais, ça va doucement. Je vais quand même continuer à lancer un coup d'œil du côté de Oakland, chez les voisins. Là. Mais le match des Cleveland est fini comment? Quand j'ai laissé ça, c'était un peu serré là. Je crois qu'ils ont perdu. Hein. Ils ont perdu écart de 2 points. Voilà, justement. Ils ont perdu. Oh. D'ailleurs, un petit commentaire, Bryce, sur cette défaite. Non, c'est aujourd'hui, moi, je veux pas le temps des autres. Donc, tu n'as pas le temps des autres. Non, mais c'est vrai que. Et tu sais, j'avais préparé sur le programme, je me suis dit que non, on va peut-être faire. On va peut-être parler de donner les résultats. Mais je me suis dit, on est tellement dans le truc.
que je vois même pas l'intérêt de parler d'autre chose pour le moment. Non. Moi, j'ai mis mon réveil. J'ai mis mon réveil à 4h25 pour le match. Si le reste, là, ça m'intéresse pas. Il y a David Weber qui est avec nous. David, tu es là? Ouais, je suis là, Philippe. Bonjour à tout le monde. Oh, bienvenue, David Weber, sur le parquet de la radio off. Alors, il est quelle heure chez toi du côté des États-Unis là? Mon frère, qui est aux États-Unis, non, papa? Toi, tu es pas aux États-Unis, ouais. Je crois que tu étais aux States, moi. Non, je suis pas aux States. Tu es où alors? Je suis en Allemagne. Ah, donc tu as la même heure que Bryce, il est 4h aussi. Ouais. Il est 5h moins 5. Ouais, ok. Donc tu es en mode Warrior ce soir. Tu as trouvé la force où pour te lever. Mais c'est parce que c'est Ama, tu veux seulement le descendre. Non, bon, tu nous gars, c'est vrai que c'est chaud. Bon, on a l'habitude de se lever à 6h. Je vais bientôt à Paon là. Mais bon. Il y a quand même dit que je regarde une partie avant de sortir. Ah oui, c'est quand même. Ça va être chaud tout à l'heure, mais bon, on va prendre le café. T'es un peu ça. Mais David Weber, tu es en Allemagne, tu es où comme ça? Ouais, je suis en Allemagne, ouais. Je suis qu'on s'est vu quelque part. Oui, on s'est vu au challenge l'année passée. Mon frère, il faut m'excuser. Il faut que j'aille checker encore mes photos. Mais vous deux, vous étiez sur le Mont Sat, dans les gradins. Mais tu es dans quelle ville? Je suis à Essen. Tu es dans Essen. Et tu games? Où tu as game l'année dernière? Non, j'ai pas game. J'ai game l'année d'avant à Berlin. À Dortmund et à Berlin. Bon, les deux années d'avant. Et après, là, les gars ont abandonné. Ok. Non, il faut qu'on se contacte après, alors. Ok. Attention, Bryce. Alors... Fais très attention. Alors, pour revenir au sujet, vu qu'on est quand même sur le dernier, la dernière de Kobe, là, c'est la pub, là, chez moi. Bon, pour un début de match, on va dire que c'est mou, hein, pour l'instant, rien. Hein? Oui, les gens sont qui aiment gâter la fête. Patrice! Ouais. Comment tu commentes ce début de match? Ça, bon, encore rien du tout pour l'instant, mais bon, c'est pas l'objet du jour. Mais tu t'attendais quand même un peu mieux ou pas? Ou tu t'en fous? Non, quand même, je m'attendais à mieux. Bon, c'est vrai, toujours que le Jazz, voilà, ils sont éliminés des playoffs, donc ils n'ont plus rien à jouer, quoi. C'est vrai. Tu veux dire qu'ils veulent gâter la soirée du boss, quoi? Ouais. Tu savais la victoire des Rockets, là ils n'ont plus rien à jouer. J'ai dit que Kobe ne fait pas 10 points aujourd'hui là. Sinon, ça begin. Ça begin. We are David Weber. Face all over the place. We're online 24/7. Dans le sens, il faut aussi nous laisser ça. Le gars, il ne veut pas laisser. Oh, les pubs là. Allez, on va quand même poser un peu, on va meubler, hein, parce que bon, pendant les pauses de pub et tout ça, on va quand même meubler un peu les choses. Oui. On a quand même prévu quelques petites choses, quelques sujets de discussion. Je vais commencer par David Weber. David! Oui, Philippe. Alors, la question que je vais te poser. Regarde, la goutte de Brian, la Brian family là, ça fait. Non, c'est ça le meuble là. Allez-moi. Non, c'est ça le meuble. David Weber! Ouais, Philippe, je t'écoute. La question que je vais te poser, c'est est-ce que je te souviens de la première fois que tu as entendu parler de Kobe? Ouais, je pense que oui. Vas-y, raconte-nous. En fait, la première fois, c'était dans les magazines NBA. Je me souviens, c'était en 98. On parlait déjà que c'est lui le prochain Jordan. Il y avait les trucs, je sais plus comment on appelait ça, NBA Action. Ouais. Je sais plus trop. Mais bon, en fait, en ce moment, je jouais pas encore au basket. C'est mon grand frère qui jouait au basket et donc il était passionné par ces choses-là. Moi, j'étais plutôt un footballeur, quoi. Et donc, il parlait, oh, Kobe, c'est celui-ci, Kobe est trop fort et tout ça et tout. Bon. Après, là, quand j'ai commencé à jouer au basket vraiment en 2000, c'est à ce moment, il était aussi déjà quand même un peu fort et bon. À ce moment-là que tu. C'est le contre que Kobe a fait là, non? Ouais, c'est le compte. Vas-y, Bryce, voilà. Raconte un peu l'action là, raconte l'action.
Raconte. Non, mais t'as pas vu. Il y a un petit là qui a cru que le Mamba n'est plus Mamba et il espérait rapidement passer par derrière. Ouais, sur la c'était la main gauche, non? C'était main gauche? Ouais. C'était main gauche sur la plaque. Aïe. J'ai même cru que c'était avec faute, mais c'était proprement. C'était propre. Il avait fini. La moindre action, les gars, juste de suivre mon frère. Ah, tchac. Alors. Non, il a chauffé. Alors, voilà. Waouh. Non, mais c'est un très très beau con réalisé par Kobe, voilà. Là. Moi, je crois qu'il commence à être sérieux, là. Il commence à être sérieux. Il a deux points, là, non? Il a 4 points sur les 8. Il a 4 points. Oui, il reste 26 points pour Weber. Ouais, qui a marqué tous les 4 points là. Non, ils sont à 8, non, mais il a mis 4 points. Non, les Lakers sont 8, les Jazz ont 7. Il reste 4 minutes à jouer pour le premier carton et Kobe a 4 points. J'ai donc choisi la mauvaise chaîne alors, je suis en retard. Je crois qu'il est chaud là, il est chaud. Ouh, il est chaud. Super Kobe. Bryce Gatou. C'est mauvais. Bryce. Ouais. Je sens que Kobe, il est chaud là. Hein? Non, c'est. On a reste pas le All-Star Game là. Tu sais que pendant le All-Star Game, il joue pas comme ça au début. On a été un peu déçus. Je crois que cette fois-ci, Don Mike va quitter le Hof. Avec David Cooper. Les gars, vous êtes sans ignorer que Kobe, c'est toujours comme ça. Après, ça va finir. Quoi. Okay. Mon ami. Simon, tu sais quoi? Simon. Oui. Quand je regarde les yeux de Kobe, là, je sens qu'il est parti pour scorer beaucoup de points sur ce game. C'est toi qui commence déjà à pousser sa bouche, un genre là. Tu vois souvent quand il fait son visage, un genre, quand il est trop nerveux là. C'est mauvais. Il est bien parti là. Là, il est fâché. Il n'a pas le regard. Je crois que tu vois le regard de la fête là, c'est fini. C'est fini. Il a effacé ça. Les gars, j'ai dit, qu'est-ce que la fâcherie du cafard a fait devant le coq là? C'est bien Weber. Kobe. Je te préviens que pour l'instant Weber, le gars est déjà à 9 ou à dans les 9 points. S'il est même à 20 à la mi-temps, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Oui, mais Kobe est en train de faire. Simon, compte-moi les points là, pardon, Simon. Simon est en train de faire un oui que tu n'es pas. Simon, Patrice, ouais. Vas-y, réagis. Non, j'ai dit. Kobe, encore 3 points, il vient encore le mettre à 3 points. Il vient encore le score à 3 points. Patrice, il est chaud là, qu'est-ce qui se passe? C'est lui là. Simon, il a combien? Il a 12, je pense. Hein. Tchac. Yes. Je pense qu'il a 12, hein, Weber. Il y a combien de gens qui doivent se off du off? Ils sont beaucoup. Il faut dresser la liste, hein. Simon, tu dresses la liste, tu dis que bon, voilà, c'est non, déjà. C'est pas possible. Alors, on est à 16-14 pour les Lakers. Je crois qu'on a le même score, non? On a le même score. 2 minutes 53, c'est moi. Ouh, quel beau 3 points de Kobe, là, au corner. Waouh. Il y a certaines personnes qui vont avaler leur parole. Peut-être qu'il risque de faire 83 points aujourd'hui. Il risque de faire combien de points? 83, parce que de toute façon, il a commencé, là, j'ai peur. Je te dis, Weber. Est-ce que ça vous surprend? Vous êtes sans ignorer que Kobe prend tout 15 tirs à la première mi-temps. Non, mais il a un bon ratio pour l'instant. Il a un bon ratio. Alors, ah, il a pas le Kobe. Problème. Après, ça Kobe, finit. David Weber. On va le neutraliser. David Weber. Ouais, Philippe. Je te donne les stats de Kobe. Il est à 12 points, un compte. Et il est le meilleur scoreur de son équipe pour l'instant. 4 points pour Iber et 12 points pour Kobe. Ça te donne le score des Lakers. Tu vas mettre 15 points chaque carton. Un commentaire? Il n'y a pas de commentaire. Ouais, les gars vont commenter. En tout cas, il est chaud. Les gars, on a dit aux gars de le laisser un peu game son game.
Mais les gars défendent. Eh, hey, les Jazz défendent. Les Jazz veulent gâter la fête. Les Jazz veulent gâter la fête. Les Jazz, ils veulent faire comme Kobe a gâté le dernier match de Michael Jordan avec les Wizards. All-Star Game, ouais, ouais. Je suis sûr que c'est ça. Alors, pendant que c'est la pause pub, là, chez moi, je veux faire réagir Patrice Ndieka. Ouais, Philippe. Vas-y, raconte-nous la première fois que tu as entendu parler de Kobe. Tu te souviens? Ouais, je crois que c'était au début des 98. Ouais. Mm-hmm. Je crois que c'était son tout premier All-Star Game, là. Il avait eu une trentaine de points sur ce All-Star Game, non? Exactement. Mm. Là, déjà, on disait qu'il y avait un petit vraiment assez insolent qui venait en force, quoi. Donc, du coup, ouais, il a commencé à tirer mon attention. Tu as tout de suite accroché sur le gars, ou bien c'est après, ou bien c'est tout de suite? Bon, on va dire que c'est légèrement pas après, parce que bon, au début des années 2000, j'étais très fan de Vince Carter, bon. Après aussi, Kobe, quand elle a commencé à monter en régime, surtout après le départ de Sheik. Mm-hmm. Et là, voilà, il est vraiment entré dans le cœur, quoi. Mm-hmm. Ok. Alors, Bryce, The Nice. Ouais. Ça, c'est la question que je voulais te poser aussi. Raconte-nous la première fois que tu as entendu parler du Mamba. Tu étais où? Tu étais à quelle heure? Il était où? C'était chaud. C'est-à-dire, je n'arrive même plus à me situer. Je me suis posé la question là l'autre fois. Je sais que c'est une question, bon, ça paraît un peu flou comme ça. Ben, ça t'oblige à fouiller dans tes souvenirs, mais bon, essaye quand même. Non, le truc, c'est qu'effectivement, il y a ce All-Star Game là où il a marqué 30 et quelques points. Mm-hmm. Là, déjà, il m'a frappé à l'œil, mais bon, tu sais, ayant été de la transition, ok, qu'est-ce qui se passe après Jordan et tout. Donc, il n'y avait vraiment pas trop de personnes qui commençaient à trop me flasher là. Mais lui, inconsciemment, il m'a flashé en fin 99, début 2000. Parce que, je dis inconsciemment parce que je me rappelle quand je fais. Les gars, mais les amis sont en train de main. C'est quelle faute qu'on siffle celui-là? Quand mon deuxième tournoi en Allemagne. C'est la faute. Vas-y, excuse-moi. Dans le qu'on joue là-bas. Disons, quand je fais le troisième tournoi de ma série, c'est lui, c'est Kobe Bryant que je prends, je sais pas pourquoi, que je prends et que je mets sur la fiche du tournoi. Il a ce match là où il décolle pratiquement du lancer franc et puis il a les mains. Donc, c'est sa photo que je mets, je me rappelle, c'était en 2000 ou 2001. Donc, ça veut dire qu'à ce moment, j'étais déjà dans lui grave. Oui, bizarrement, toutes les cinq premières années, c'est toujours lui que j'ai mis sur mon affiche. C'est ton affiche, ouais. Bon, c'est là que la flamme, a pris, quoi. On peut dire ça comme ça. Le tournoi était de quel côté? Ouais. Et, bon, Bryce demande de quel côté se jouait le tournoi à cette époque. De quel côté? J'ai pas suivi, c'est un peu brouillé. Bryce demande de quel côté se jouait le tournoi à cette époque quand tu as. Ah non, le tournoi se joue à Hanovre. Hanovre, ouais, tu as entendu? Ouais, à Londres, c'est ça. Ok. Alors, Kobe, il est à 15 points. C'est son 15e point qu'il entend de mettre là. C'est 15 points, non? C'est ça, c'est 15 points. Ah, il est chaud. Il me fait plaisir. Il nous fait plaisir ce soir. Je crois que même si les Lakers perdent, il suffit que Kobe dépasse les 30 points. Je crois qu'on a gagné le jackpot, hein. Hein, Simon? Yeah, les gars ne sont pas réveillés à 4 heures pour rien, mon frère. Il te dit que... Ou bien il peut arrêter après le premier quart temps là. Comme ça, il y aura le doute que si j'avais joué. Alors, je rappelle aux auditeurs, pour ceux qui nous suivent, Kobe est à 10 minutes de temps de jeu, 15 points, 1 compte. Donc, une faute aussi. Hein? Une faute aussi, il faut le préciser. Ah bon, toi tu comptes les fautes alors. Parce que mais comment on compte pas? J'ai la feuille de stats devant moi, mais bizarrement, mon œil ne regarde pas les fautes. C'est bizarre, hein? Moi, je regarde le match parallèlement. 3 points encore. Alors, c'est presque la fin du premier quart temps là. On est à 55 secondes pour moi. Égalité sur mon. J'ai égalité chez moi. C'est pareil chez vous? En fait, il veut juste tirer à 3 points ce soir ou bien quoi?
Ouais, c'est parti depuis les trucs qui tiraient à 3 points. Oh, belle gars, passe. Le gars n'a que les 3 points, ça avance plus vite ou quoi. Dedans. Boum. Hey, il a raté. Non, il est parti. Il est parti pour... Il faut qu'il entre dans la raquette. Là, il tape un dunk. Là, après, moi, je dis non, il cogne un dunk sur quelqu'un. Là, après, il dit bon, c'est bon. Les jambes sont volées. Il va tirer. Alors, 16 secondes, c'est Kobe qui a le dernier ballon de la, du shoot, là. Il a perdu. Alors, voilà, passement de jambes à 3 points. Allez, pénétration. Passe à D'Angelo Russell. Raté. C'est D'Angelo, non? Oui. Ouais, c'est lui. Sinon, les gars, c'est du côté des Warriors, ça sort comment? Non, les Warriors, ils font le boulot. Ils font le boulot calmement. Ils contrôlent 27-16. Ok. Un peu plus même, je pense. La dernière fois que j'ai regardé, à une minute, c'était 27-16. Je pense qu'ils vont jouer que la première mi-temps. C'est vrai qu'on est en train de parler de la soirée de Kobe, mais Bryce, il faut quand même dire que... Patrice, il y a aussi les Warriors aussi. Hein, ils vont aussi... Bon, c'est vrai que c'est Kobe, mais bon. Hein. Il y a aussi les Warriors. Moi, j'ai un petit coup d'œil. Il faut quand même jeter un petit coup d'œil. Bon, je regardais le score, là. Curry, je crois que Curry doit mettre 8 paniers à 3 points. Il faut ou pas atteindre les calabas de 400. C'est bien ça. Les gars, j'ai une question, s'il vous plaît. Vas-y. Si, par exemple, si Utah gagne, qui passe finalement au play-off? Les Rockets ont aussi gagné. Non, c'est fini pour Utah. C'est fini. C'est les Rockets. Pourquoi? Mais oui, mais parce que attends, même au classement, hein, les Rockets avaient besoin de gagner. Les Rockets, eux, ils ont déjà bloqué la 8e place, non? Oui, ils ont déjà bloqué la 8e place. Ok. Mais shit, ils ont bloqué parce que c'était avantage. C'était avantage Rockets, quoi, qu'il se passe 6 en cas d'égalité à cause de la confrontation entre les deux. Ouais, bah, toi, tu voulais pas que les Rockets passent. Nah, ils ont trop chié. mais ça va être chaud, hein, au premier tour. Hein. Je pense que les Warriors vont devoir faire gaffe. Hein. Ouais, ils vont faire gaffe contre qui? Contre les Rockets. Il y a un jour, Harden te met 42 points, il te gagne le match. Hein. Il a fait 4-0. Harden ne peut pas jouer seul. Oui, mais avec des gars comme Beasley et tout ça, ils ont quand même que Jones. Hein. Je pense que sur un coup... sur un malentendu. Ils peuvent faire que les autres perdent un ou deux matchs et c'est pas bon. Parce que dans la conquête du titre, là, il faut passer très vite. Hein. Il faut aller très vite. Les gars qui vont perdre un, deux matchs en cours de route, là, c'est pas bon. Parce que les Spurs vont essayer de sweeper Dallas. Hein. Les Spurs vont essayer de sweeper Dallas propre. Ouais, c'est vrai. C'est non, les clair. Gars, parce que n'oublions pas qu'en conférence Ouest, en demi-finale de conférence, ça va encore saigner plus. Ça va encore saigner plus. Là, c'est que un petit début. En demi-finale, tu mets qui contre qui? En demi-finale, normalement, c'est le premier qui prend celui qui joue entre le 7e. Non, entre le 6e et le. Non, entre le 5e et le 4e. Donc, voilà, ça veut dire que si les Warriors passent, ils prennent soit les Clippers, soit les Blazers. Soit les Pacers. Et ça se comprend. Ah ouais. Non, Blazers. Ah, ok. Et tomber sur les Clippers. Mais tu es en train de parler, et puis, de toute façon, les deux finales doivent être chaudes. Parce que de l'autre côté, on risque d'avoir les Warriors contre les Thunders en demi-finale de conférence. Non, c'est pas ça. Non, c'est les Warriors vont prendre les Clippers ou Portland. Ouais, exactement. Alors, du côté des Warriors, on a 37-23 pour le Golden State. Hein. 37-23. Ils punissent les autres là-bas. Stephen Curry est meilleur scoreur avec 20 points. Combien de paniers à 3? À 3 points, il a 6 sur 9. Combien? 6 sur 9 à 3 points.
Il lui manque deux paniers et il a mis 400 tirs à 3 points dans une saison. Oui. Et ça, c'est normal. 400 tirs à 3 points, mon frère. Non, c'est un extraterrestre. Ah là 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 là. Quelle soirée. Quelle soirée. Franchement, je suis par le rendement de Julius Randle ici au Lakers. Ce petit là, moi, je le voyais exploser. Au collège, il était fort. Il n'est qu'au début, Weber. Tu lui donnes un peu de temps. Il a deux saisons déjà, il doit encore faire quoi? 13 points, 10 points, c'est quoi ça? Non, t'en prends aussi. N'a pratiquement pas vu la saison passée, donc... Il ne pouvait pas être star un jour. Hein. Non, avec sa blessure qu'il a eue là, son pied cassé là, c'était dégueulasse. C'est vrai qu'il avait une méchante blessure quand même, pour le dire. Là, le pied c'est vraiment broc carrément. Ça a vraiment été un coup de vieux. Il a même pas les fondamentaux d'un point 4, d'un poste 4. Ah, mais il se bat quand même. Hein. Oh, il est bon, il a les fondamentaux. Non, mais ce que je veux dire, c'est... Faut pas exagérer. Non, ce que je veux dire, c'est que après sa blessure, ça va être un bon joueur NBA, mais une grosse star, ça va être difficile. Hein. Parce que c'est un gars, quand tu le vois jouer, tu sens qu'il mise sur son physique. Et sur son physique, il n'est même oui. pas si physique que ça. Non, mais il remonte en coast to coast. C'est un gars qui fait un peu de tout. Regarde ce qu'il fait là, regarde. Tu vas me dire qu'il n'a pas. Ouais, ben le défunt. Oui, ben ce qui est sûr, c'est que le petit là, au moins deux paniers, joue mieux que LeBron James. là, on fait Josh. Ouais, je commence pas un autre débat. Deux paniers, j'ai dit deux paniers. Tu as vu LeBron James faire le genre de reverse que lui fait. Ils sont en série maintenant. Tu as vu comment il a bondi à le dernier but gagnant il y a deux jours. Lui, bon, juste faire une action comme ça. Le move, je dis pas de voler le match, je dis le move. N'est-ce pas? Ouais. Je prends ça gratuit. Tu as pas de stress. Alors. Apparemment, Kobe, il est sorti, on l'a remplacé là, je crois. C'est fini, c'est fini pour toute la soirée, il a joué son match. Alors, je cale le box score là pour les Warriors. Oui, là, le match. Il faut que je regarde. Ça n'a pas trop d'enjeu. C'est. On dirait que c'est le garbage time même pour l'instant. Là, on ne sait pas wake up pour regarder les autres la play, mon frère. C'est la mauvaise saison dans l'histoire de Los Angeles Lakers. C'est un club que j'ai porté dans mon cœur. Un toto comme ça est venu Shibasa. Yeah, il dit qu'il l'a porté dans son cœur. Il a porté. Alors, Kobe est sur le banc, à côté de son pote Meta World Peace. Ça veut quoi son ancien nom là? C'est pas qui. Panda Friend. L'ancien nom de métal, là, c'est encore quoi? Panda Friend. J'ai pas entendu. Ron Artest. Voilà, Ron Artest. Ron Artest, c'est ça. Meta World Peace. Yeah, tu as vu ce que une journaliste a posé comme question à Kobe, je sais plus quand, là, il y a deux jours. Là. Non, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a posé la question que... Est-ce qu'il a perdu un jour à l'entraînement, parce que selon chaque fois les commentaires des joueurs, est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a déjà battu en 1 contre 1? Ouais. Le gars dit que non, mais qu'il y a un seul qui aurait pu. Il dit que le gars a fait son dernier tir contre Utah en 98. C'est qui? Bon, il entend plus rien. Allô? Simon, tu es là? Oui, allô? Allô? Oui, je t'entends bien, Simon. Allô. Ah, un petit problème sur la ligne, apparemment. Simon, tu m'entends? Oui, là, je t'entends. Plus rien. Bryce, tu m'entends? Bryce? Allô. Ah, attendez un peu, on essaye de rétablir la communication. On règle ça très vite. Vous restez en ligne. Là, je t'entends, mais ça cote. We'll be right back.
Allô David, tu m'entends? Alors, petit souci technique de connexion, on règle ça très vite. Ouais, je t'entends, Philippe. Tu m'entends, David? Tu m'entends bien? Allô? Alors, encore un petit souci de connexion, on règle ça. Très vite, vous restez en ligne. David, tu m'entends? David? Oui, c'est ok. Ok, ok, Philippe, t'entends. Ok, ok, ok. Je rappelle. Je récupère les autres. Tu restes en ligne, hein. Je raccroche et je rappelle. Apparemment, il y a un petit souci sur la connexion. Ok, sans problème. Mmh. Okay. Tu m'entends là? Ouais. C'est mieux là, non? Ouais, c'est vraiment. Ok. Là, c'est bon. Donc, je rattrape les autres. Je rattrape Bryce. Non, Patrice, pardon. Est-ce que ça a coupé? Tout à l'heure. Patrice, tu m'entends? Ouais, c'est bon, t'es revenu là. Ok, c'est cool. Je rattrape Bryce maintenant. Alors, Bryce. Bon frère. C'est quoi le score là? Larry Nance a failli taper le face de l'année, mon frère. Il va haut, le gars. Non, c'est. Il n'y a même pas le score d'affiché pour l'instant. Nous, mon Jack Nicholson, dis-moi. En même temps, mon Kobe, lui, discute avec Walt. Un Quentin Quentin, Quentin à 20 pour le Jazz. Mm-hmm. Oui, il y a deux tirs à 3 points de Jazz là. Exactement. Leur Bindi Watlan, il ne l'a pas, mon ami, la rose. Il a la main. Oh là là. Là, essaye aussi un peu de voir. Alors, on essaye de rappeler Bryce là. Ça, encore un peu, ça bug un peu de son côté. Bon, pour l'instant, Patrice, ce que tu as vu de Kobe, ça va ou tu n'es pas satisfait? Tu aurais préféré mieux ou... C'est quoi ton sentiment? Patrice? Ouais, pas... Il faut baisser les volumes de votre télé. Il faut baisser le son de la télé parce que ça ressort dans le direct. Ok. Là, c'est bon, ça va? Là, c'est bon, oui. Alors, à chaud... Dis-nous ce que tu penses de la prestation du Mamba sur ce premier carton. Bon ouais, disons qu'au début il a pris beaucoup de tirs, c'est pas rentré, mais bon bah après voilà, il a pris le rythme. Donc on va dire que sa prestation est assez honnête quoi. Il n'a pas rougi. Donc là on attend sa rentrée, sa prochaine rentrée sur le parquet. Mmh.
Alors le doc ONP. Oui, oui. C'est vrai que j'ai posé la question à tous les participants, mais je ne l'ai pas posé à toi. Alors raconte-nous la première fois que tu as entendu parler du Mamba de Kobe Bryant. Oui, mais c'était leur du début vraiment au niveau de la draft. Parce que c'était nouveau, hein, l'histoire avec Garnett, et c'était nouveau cette histoire du lycée pour la NBA directement. Ouais. Ça a fait un petit boucan. C'était nouveau pour nous, donc ça, on en parlait partout, on se demandait c'est qui. Donc c'est comme ça que j'ai entendu parler. Hein. Mm-hmm. Donc, mais je faisais même pas gaffe à lui, hein, à part les actions, parce que chaque fois qu'il faisait des actions, on en faisait un gros pataquès. Parce que la NBA et les États-Unis avaient déjà fait un focus sur lui en disant le petit a quelque chose. Ouais. Mais je regardais même pas beaucoup, hein. Moi, à part dans les actions NBA, puisqu'il était sur le banc, mm-hmm. je regardais un peu qu'est-ce qu'il a fait. Et c'est à partir de quel moment il y avait trop de joueurs et tout. Moi, j'étais même pas focus sur lui. C'est à partir vraiment du premier All-Star Game que j'ai un peu plus look. Mm-hmm. À partir c'est là que la flamme a pris, quoi. Il y a peut-être quelque chose. Mmh, ok. Jordan Hayward qui défonce. Allô? Oui, tu es là. Ouais. Je t'entends bien. Je t'entends bien, et toi? Allô? C'est ouais, bon, tu es là? Ouais, moi je t'entends. Ok, je vous entends bien. Hein. Vous êtes bien connecté là, apparemment. Simon, tu es là? Les gars, Kobe a 5 sur 14. Donc, pour marquer 30 points, il faut qu'il fasse 28 tirs. Oui, aujourd'hui, il va même faire 70 tirs. Il n'a pas de problème. C'est son dernier match. Il peut tirer tous les ballons là. Après, on le verra plus tirer. Mais donc, Philippe. Oui, je t'écoute. Phil. Je t'entends, vas-y. Allô. Oui, je t'entends bien. Jazz veut gâter le match, ça c'est pas bon. Ça. Je t'entends bien, Simon. Non, mais c'est mieux comme ça. Allô. Je t'entends bien. Allô. Toi, tu m'entends? Les gars, j'ai l'impression qu'il y a deux lignes qui fonctionnent. Non, il n'y a que Philippe qui n'est pas dans celle-ci, en fait. Ah, ok. Non, vous m'entendez pas? Mais vous m'entendez si pas passé, qui a rappelé temps. S'il est off, qui a rappelé alors parce que Non, c'est moi, Bryce, c'est moi. Il est là. Je suis là, parce que c'est moi qui... J'ai créé une autre conférence parce que l'autre là buguait, la première buguait. Vous pouvez la quitter, hein, la première conférence. Est-ce qu'on est encore là-bas, Philippe? Voilà, bon, si vous n'êtes pas là-bas, vous êtes avec moi, c'est bon. Simon, tu m'entends? Oui. Ok, vas-y, parle, tu parlais et puis tu t'es arrêté. Non, je disais juste que moi j'ai entendu juste parler de lui par rapport à cette nouveauté des gars qui quittent leur lycée pour directement go à l'université, pour directement go à NBA. Mais je faisais même pas gaffe à lui. Hein. Je regardais juste les highlights pour voir que c'était un gars qui était sur le banc. Mm-hmm. C'est le premier All-Star Game vraiment là. Là, j'ai mis sur All-Star et c'est là où j'ai commencé un peu lourd. C'est là que la flamme a pris, quoi. Commencé un peu lourd, là. Mais tu sais que l'anecdote sur J.R. Ryder sur Isaiah Ryder, ouais, c'est à partir même de là parce que moi je les voyais gagner, hein, mais il m'intéressait pas beaucoup. Moi c'était continuer à bavarder que c'est le prochain Jordan et tout. Là, il y a eu tellement de prochain Jordan. Ouais. Moi, de toute façon, les top, c'est pas mal. Alors, Bryce, il faut couper le son de la télé parce que ça ressort dans le direct. Ah, désolé, attends. C'est pas grave. Okay. Bah, vas-y, Simon. Moi, en fait, Simon. À l'époque, je me rappelle, en France, ici, à l'université, je venais de choper. C'est Internet, c'était un truc rare. Mais on venait d'installer ça.
c'est là où j'ai songé cette anecdote sur J.R. Ryder. Là, ça avait fait un petit écho où il a fessé Isaiah Ryder à l'entraînement, mais une fessée même, parce que c'est maintenant que les que Basket USA nous c'est Basket Session qui nous ressort ça. Mm-hmm. Il l'avait tellement fessé à l'entraînement, le gars a dit arrête. C'est-à-dire qu'on fesse quelqu'un à l'entraînement jusqu'à le gars bec que bon, c'est bon. Oui, mais je te dis, là maintenant, j'ai vu ça hier, là, l'anecdote, c'est Ron Harper et Horace Grant qui racontent ça. J.R. Ryder est venu, comme il était en poste 2 comme lui, il a d'abord tenté de le chauffer à l'entraînement, que ouais, avec des modes fucker, machin, truc. Que Kobe a commencé à le taffer, c'était une humiliation totale. Ouais. À l'entraînement, mais comme c'était un petit, on a dit que gars, voilà le petit de 21 ans qui te fesse. Qui te fesse propre. Ah, ça. Et moi, ce truc-là, ça m'avait marqué. Je me suis dit, Chaque fois, moi, je regardais du coin de l'œil. Hein. Mm-hmm. À part les finales et tout, il fallait quand même regarder, mais j'ai toujours supporté toutes les équipes qui jouaient contre les Lakers. J'ai supporté toutes les équipes. Ils les ont tapées une à une. J'étais vexé mal. J'étais vexé. Après, alors que quand le gars là, a reconstruit l'équipe, là, j'ai dit non, tu m'as gagné. Tu as winné. La première, surtout le MVP de 2008 et après la première finale contre Boston. Ouais. J'avais craqué parce que je voulais qu'il win ça. Pourtant, à la base, je voulais qu'il win. Je me suis dit, gars, va gagner à Boston. Surtout que je supportais LeBron James. Mais LeBron James avait échoué. L'année là, j'ai dit, bon, en finale, Kobe va vous choper. Je me suis dit que Boston est voté. LeBron, il a l'os. Mais en finale, Kobe va vous choper. Ah, il avait l'os en finale, là, je voulais cry. Yeah, c'est clair, c'est clair. Et c'est la... Mini dunk. Mini dunk de Kobe, mini. Un mini. Donc là, il est à 17 points, non? Ouais, là-bas, ouais, c'est le dépôt de main, justement. 17 points de rebond. 40 pour Jazz, 33 pour les Lakers. Ça fait 18. Hey, le step à la compagnie. Philippe, hein? Je pense qu'aujourd'hui, ils vendent beaucoup d'alcool. Ils vendent beaucoup d'alcool au Staples Center, hein, parce que les gars qui MVP. Ça a été écrit MVP, hein? Oui, voilà, c'est. Gars, chacun crie comme il peut, normalement chez lui, non? Chacun crie comme il peut. Je sens que même à Brooklyn, quand un de leurs joueurs, il a écrit aussi MVP, peut-être. Alors, on le précise aux auditeurs, donc on est à la 4 minutes de la fin du deuxième quart-temps. Le score est à 40 pour les Jazz, 33 pour les Lakers, 17 points pour Kobe, 2 rebonds. Bon, Weber, il va quand même dépasser les 20 points, non? Tu n'en doutes pas quand même? Non, bon, il est dans les 28 quand même. 28, hein. Ça s'arrête à 28. C'est pas mal. C'est pas mal déjà. Hein, Weber? Ça réussit. Ouais. Mais il faut voir que le gars est en train de faire son one-man show là. Hein. Mais c'est l'objet du jour. C'est l'objet du soir. Alors, à quoi point? 21. Voilà! Super! Il a déjà 21, super tir à 3 points de Kobe. Donne Mike, commence aussi à réfléchir peut-être. Hein. Pardon. 21 points pour Kobe Bryant. Au début du quatrième, il sera qu'à. 46-37 ouais. Pour le Jazz. Il fait tout son show maintenant, même de la deuxième mi-temps. Ils viennent de mettre le nombre de minutes qu'il a joué en 2012 avant sa rupture du ligament. Je me rappelle la période là, l'imbécile de. In your face, all over the place. We're online 24/7. You're listening to the hottest internet station. Vous êtes bien sur Radio of Parquet. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. 5, 4, 3, 2, 1.
Alors on est reparti. On est reparti pour le direct live. On s'excuse auprès de nos auditeurs, on a eu un petit souci. Alors on est reparti pour le direct live, on a eu un petit souci avec le direct, notamment un souci au niveau de notre connexion, la connexion qui nous a, qui ce soir nous fait un petit peu défaut, donc on a dû stopper le direct live. On reprend donc avec nos collaborateurs, les auditeurs qui sont avec nous en direct pour le dernier match de Kobe Bryant. Allô les gars, voilà. Vous êtes là? Les gars, c'était fait un contre un. Allô? C'était casse au un moment, tu m'as qu'à abandonner, quoi. Je dis. Donc, allô? Du coup, voilà. Allô? Oui. Tu vous m'entendez? Ouais, ouais. C'est, David, tu m'entends? Ouais, on t'entend tout. Ok, donc c'est bon, parce que j'ai eu un problème avec, avec le live, ça a complètement buggé et j'entendais plus personne. Donc là, j'ai relancé la machine. Donc on est reparti, on est en direct. Donc vous étiez en train de faire le point sur les... Pardon, les... Patrice, c'est toi qui parlais, je t'ai coupé pendant que tu parlais. Oui. En fait, j'étais juste en train de raconter une histoire que Kobe a fait pour aujourd'hui. Ouais. À l'époque, il était encore sous contrat avec Adidas. Ouais. Et puis, c'était retrouvé avec. Ils avaient fait une tournée à l'idée avec Max Rizzi et tout. Les gars, c'était pris en un contre un. Il paraît que voilà, il dit à un moment où. Je crois que c'était un quatrième affrontement. Max Rizzi lui a dit que, gars, il a fait chaud et il a mal au dos. Donc, du coup, voilà, il faut arrêter. quand David dit qu'il n'a pas affronté de grands vendeurs, voilà, je ne suis pas vraiment d'accord. Quoi. Donc, ça monte déjà la charge. Voilà, c'était pas n'importe quoi. Pas très bien suivi. Que quoi, David? Patrick, tu disais, je n'ai pas bien suivi. Non, je disais que même Timac s'est fait ressentir un contre un par Kobe. À l'époque, ouais, Adidas a organisé un tournoi en Asie, là. Je n'ai pas dit le contraire. Moi, j'ai seulement dit, je n'ai jamais vu les vidéos. Ouais, c'est les vidéos qu'il n'y a pas eu, en fait. C'est les vidéos, malheureusement, c'est ce que je disais. C'est ce que je disais, le vrai problème d'une certaine époque, c'est que les vidéos manquent. Par exemple, même pour Jordan, la vidéo où il revient au gym des Bulls pour jouer contre le fameux rookie qu'il avait clashé en 99 là, c'est des vidéos rares, on trouve pas, malheureusement. À l'époque, il n'y avait pas ce truc de filmer avec notre téléphone, le moindre truc. Dès qu'il y a un truc, on met le téléphone. C'est ça aussi que beaucoup n'ont pas vu Jordan. C'est pour ça que certains font des comparaisons, mais si avec internet, vraiment, quand Jordan jouait et tout, avec les télévisions de filmer, là, mon frère, il y a des gens qui nous aident. Simon, laissons même d'abord même la NBA. S'il y avait déjà les smartphones à l'époque de Edson au pays, je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'on allait pu discuter ici. Oui, je pense. Ce basket camerounais. Je pense que tu vois, non, ils allaient comprendre qu'on ne compare pas les gens et les gens. Non, mais c'est vrai qu'au niveau des réseaux sociaux, ont apporté vraiment beaucoup de choses. À ce niveau, au niveau de la médiatisation, on entend bien, c'est bien ça. Pardon? Tu dis? Je dis que les réseaux sociaux, vous m'entendez bien là? Oui, là c'est bien. Je dis que les réseaux sociaux ont un impact tel qu'aujourd'hui, la médiatisation est démultipliée par rapport à avant, dans les années 90. Oui, effectivement, c'est vraiment pour ça que même ce qu'on disait au début, c'est que s'il y a eu un joueur détesté, c'est Kobe Bryant. LeBron n'a pas été détesté comme Kobe Bryant encore. Je ne pense pas. La seule fois où on peut dire qu'on a détesté Kobe, où j'ai commencé peut-être à trouver qu'il faisait la grosse tête, c'est quand il a demandé à Shaq de partir. Il n'y a que par rapport à ça. Rapport à son égoïsme aussi, le fait de ne pas partager en équipe. Il n'y a que ça que moi, par exemple, je reproche à Kobe. David, Kobe Bryant a été détesté par toute la génération Jordan. Si, c'est vrai. Non, c'est vrai. Moi, je peux le confirmer. C'est vrai qu'il n'était pas apprécié. Un nouveau Jordan 1, ou qu'on compare Jordan.
comparer quelqu'un à Jordan. Non, mais le problème, c'est pas détester. Les gars n'ont juste pas accepté que son talent soit comparé au talent de Jordan, c'est tout. Mais je vais dire. Non, mais c'est pas détester non plus. Attends. Laissons d'abord Amar répondre et après il réagira. Vas-y, Amar, vas-y. Amar. En fait, c'est que moi je voulais dire juste. Oui, tu m'entends? Vas-y. Oui, donc je disais, il y a eu ce début, moi-même parmi, où les gars ont commencé trop tôt à mettre une comparaison. Que ça, et en plus, lui, avec son côté hautain et confiant, ça a mis beaucoup de gens à dos. Et maintenant, à côté de ça, maintenant, le début de problème avec Shaq, où le mec, parce que lui, il était juste là pour s'affirmer, hein. Lui, il venait pour être le boss, hein. Et il ne cachait pas ça, ça a aggravé les choses. Donc pour moi, de 98 à 2008-2009 pratiquement, ce mec a été détesté. Et lui-même, il est surpris. Hein. Il est surpris lui-même, le mec le plus détesté de la ligue. Il y a même une pub là, actuellement qui tourne où il dit qu'il aime être détesté. Là, où il y a des gens qui chantent dans un... Détestez-moi. C'est lui, c'est l'emblème du hate. C'est lui-même le mec qui a ici à quelqu'un qu'on a détesté ici dehors, mais parce qu'il s'est retrouvé entre deux trucs. Vouloir battre Jordan et en même temps vouloir être le numéro un, même s'il doit y aller seul. Ouais. Lui, il a dit, même s'il doit y aller seul, ça a... Mais il y a trop de gens qui... Mais malheureusement, il n'y avait pas de réseaux sociaux, hein, comme maintenant. Sinon, on allait voir à quel point aux États-Unis il était insulté. Je ne parle même pas de l'histoire du viol. Hein. Ouais. Bon, tu voulais réagir aussi. Non, je voulais aller dans le même sens. Quand tu vois à l'époque quand Kobe Bryant veut s'imposer aux Lakers, naturellement, tu as d'abord quelqu'un comme Shaquille O'Neal qui est là comme le Big Daddy, apprécié de tout le monde, blagueur et tout, le pote sympa. Et Kobe Bryant, lui il avait le profil complètement contraire, c'est-à-dire le gars qui est esselé, trop confiant, voire arrogant, et qui ne pense qu'à être devant. Alors il avait déjà ce monde-là, même dans les Lakers, les fans des Lakers n'appréciaient pas forcément qu'il vienne bousculer le pedigree de Check, mais aussi de très tôt le comparer ou bien dire voilà le futur Jordan, ça lui plaisait pas. Quand ceux qui ont vu Jordan faire c'est son trip, ils disent mais le petit là il sort d'où pour qu'on commence à le Bryce. Prendre au sérieux comme ça. Bryce. Et ouais. Tu as vu toi-même quand LeBron, quand chaque fois que les gens font dans des comparaisons de LeBron avec Jordan, mec, ils se mangent des insultes. Il y a une génération Jordan là qui n'accepte pas, mon frère. Oh. Il y a une génération Jordan, dès que même LeBron, quand on commence à dire est-ce que plus fort que Jordan, c'est là que même ceux qui l'aimaient bien commencent à l'insulter, mon frère. Donc, qui plus est maintenant, quand tu vois un qui copie tous les moves de Jordan, dont les gars, non, il a été vraiment détesté, ça, c'est sûr. Objectivement maintenant. Revenons sur la chose. Quand on essaie, je pense quand même que c'est deux joueurs qu'on ne devrait pas comparer. Tu vois? Parce qu'il y a un qui a copié l'autre et puis n'a pas copié complètement. Il y a un autre qui avait le talent naturel et il y a un autre qui a un talent travaillé. Donc, et revenons sur l'affaire de détester. Je ne pense pas qu'il était aussi détesté que ça. Kobe, moi, j'ai été un très gros fan de Kobe. J'ai un maillot de Kobe chez moi que j'ai acheté depuis les NBA Store aux États-Unis. C'était un gars que j'ai vraiment apprécié, mais à un moment donné, il se prenait déjà trop la tête. Commencez par l'histoire de Shaq. Et après, peut-être le fait de jouer avec ses coéquipiers et vouloir que l'attention soit tournée uniquement vers lui, ne pas passer le ballon, même dans des moments cruciaux où on sait que gars, tu fais là, c'est un easy tour et puis le match est fini. Donc, cette audace-là, franchement, ça m'a poussé à dire, mais c'est quel genre de joueur ça? Il était un peu trop selfish, quoi. Et dit qu'on l'a détesté, moi je ne vois pas qui l'a détesté. Les gars ont juste dit non, essayez de mettre la balle là où elle est. N'essayez pas de le comparer à Jordan, n'essayez pas de le détester, on ne l'a pas détesté. Quand je vois vraiment un gars qu'on a détesté, je dis par exemple Iverson a été détesté. Non. Tu vois? Attends, laisse-moi finir. Je ne veux pas dire détester dans toute la ligue. Quand tu parles, par exemple, Iverson, chaque fois que le gars entrait, que chaque fois que le gars devait jouer contre les Boston Celtics,
Le gars, quand il arrivait là-bas, il était couvert par minimum 4 gardes de sécurité. Il ne fallait même pas, même juste entrer dans le... Quand il passait sous le tunnel là pour entrer dans le terrain, les gars, quand on savait quand Iverson est en train d'arriver, regardez même les vidéos, il y avait toujours les gars là qui contrôlaient à la loupe. De toute façon, on voulait le lapider là-bas chaque fois qu'on mais le voyait. Mais c'était un gars de la street. C'était aussi trop un gars de la street, aussi à Iverson. Et... Quand on voulait le lapider chaque fois que le gars jouait. Et quand tu me dis quand le LeBron James, par exemple, était détesté par tout le monde quand il a décidé de partir à Miami... Et Kobe n'a jamais été détesté à cette instance. Non, LeBron James n'a pas été détesté quand il a décidé de partir. Vous êtes tous devenus haters par rapport au fait qu'il ait changé. Attends, excuse-moi, Bryce. Avant que je te redonne la parole, je voulais juste faire un point pour essayer de réunir les deux opinions que vous avez données, toi et Ama, et celle de Weber. Le fait est que quand Kobe est arrivé, hein, il y avait la génération acquise à Jordan depuis les années 90. Donc quand Kobe est arrivé et qu'on a vu que son style de jeu était similaire à celui de Jordan, moi je me souviens à cette époque et j'en faisais aussi partie, il y a tous ceux de la génération 90 qui étaient entre parenthèses contre, hein, c'est l'avènement de Kobe, c'est-à-dire le fait que Kobe triche tous les mouvements et tout ça. Donc moi, c'est pour dire que c'est plus la génération des années 90, hein, qui faisait plus partie de ceux qui ont vraiment hate Kobe. Alors que les jeunes qui n'ont pas vu Jordan jouer ont plutôt accueilli l'avènement de Kobe positivement. Vous m'entendez là? Vous m'entendez? Bryce, tu m'entends? Bryce, tu m'entends? J'ai coupé là. Simon, tu m'entends? Non, ça va. Ouais, je suis revenu. C'est bon là? Oui, donc je voulais juste préciser, reformuler en disant que c'est plus une histoire de génération. C'est-à-dire que quand on dit détester, aimer, c'est qu'il y a toujours la génération d'avant, la génération la plus ancienne qui est plus résistante à aimer un joueur qui vient d'arriver plutôt que la nouvelle. Vous comprenez un peu ce que je veux dire, non? Hein, Weber? Ouais. Voilà, c'était un peu ça que je voulais dire. Bryce, tu m'entends? Bien, ça te coupe chez toi de temps à autre, là, on t'écoute pas. Ouais, on t'écoute pas bien, là. Est-ce que Bryce nous entend? Parce que Bryce, je ne l'entends pas. Non, moi, je t'entends. Justement, je te laisse le temps de te reconnecter. Ah, ok. Oui, donc je reforme. Là, maintenant, ça semble aller. Je résume encore pour la troisième fois. Je disais que c'était un problème de génération, que ceux de la génération 90, ceux de la génération 90 acquise à Jordan, étaient plus. Les sorciers ne veulent pas que tu speaks. Hein. Ama, tu m'entends? Ama? Non, on t'entend pas du tout, Philippe. Ah, pourtant, je suis bien en direct live, là. Alors, bon, là, c'est bon, de nouveau. Là, c'est bon, là, c'est bon. De nouveau, là. C'est bon. Pourtant, mon micro est au max. Là, c'est donc... bon, là, maintenant. C'est bon. C'est bon, maintenant. Et David, tu m'entends aussi? Ouais, je t'entends. Ok. Oui, donc, je disais, pour la énième fois, avant que ça coupe, en espérant que ça ne coupe pas cette fois, que pour moi, je pense que pour rapprocher l'opinion de Ama, Bryce et Weber, juste pour préciser que les haters, parce que les haters de Kobe dans les années 2000, c'était plus ceux de la génération acquise à Jordan. On est d'accord, non? Bon, ouais. Oui, parce que la génération acquise à Jordan n'acceptait pas l'avènement de Kobe, puisque quand Kobe est arrivé, tout le monde, vous êtes tous d'accord. Quand Kobe est arrivé, il avait son air hautain, j'ai mis Jordan, je fais tout ce que Jordan fait, etc., etc. Je vais dépasser Jordan. Tout ce qui était acquis à la cause du fait que personne, que Jordan est le meilleur joueur de tout le temps, ne pouvait pas l'accepter. Weber. Donc c'est pour ça que je dis que la nouvelle génération, parce qu'il y a ceux maintenant qui n'ont pas vu Kobe dans les années 2000, hein, qui regardent LeBron James aujourd'hui, ils ne peuvent pas savoir ce que Kobe a fait avant. Et pour eux, c'est LeBron James qui est la référence. Tu comprends, Weber? Oui, je comprends. Voilà, donc c'était un peu ça mon raisonnement. Non, mais c'est surtout aussi, Phil, il y a eu un moment donné, ce côté où lui, Kobe Bryant, même les saisons, parce que regardez bien actuellement un meneur comme Curry,
Je sais même pas s'il tourne à 6 passes. Je sais même pas si dans la saison. Si, il a 6. Je pense qu'il doit être à 6 et demi ou 7. Non, pas 7, 6. Il est dans les trucs de 6, mais c'est le marqueur de l'équipe, on peut comprendre. Mais Kobe Bryant, il y a des saisons où il a fini à 5,5 passes, 4, 5, dans ces eaux-là, en tant que vraiment tireur et marqueur de l'équipe. Mais il avait déjà cette casquette de chiche. Même qu'il fasse quoi, même quand il finissait à 6 passes, même les matchs, on disait qu'il a été chiche. Ce n'est pas propre. Même les saisons où il a 5,5, 6 passes, il y en a plein. Pourtant, ouais. C'est même pas son boulot. Mais Ama, tu vas te rendre compte qu'un gars qui a 30, qui a plus de 50% de balles dans une équipe et qui n'arrive pas à faire 6 passes, mais c'est grave. Oui, mais non, ça dépend de ce que tu fais avec le reste des passes, avec le reste des ballons. Iverson, c'était pire. Jordan, tu as vécu Jordan, mais sauf que quand tu as une certaine image et que tu gagnes, je vais te dire, si Kobe Bryant gagnait 6-7 titres, on allait oublier ça. On allait dire, il a gagné. Quand tu fais ça et que tu ne gagnes pas, là, on voit que tu as été chiche, c'est pour ça. Jordan a fait ça, mais il a gagné. Après, on peut pas Jordan, tu ne peux pas comparer les deux sur ce point. Parce que qu'est-ce qui se passe? Jordan, c'est Scottie qui avait le ballon chaque fois qu'il passait. Mais Kobe, lui, dès que tu prends le ballon, tu lui donnes. Tu prends le rebond, tu lui donnes et il fait tout son drive. Non, pas toujours. Prend le rebond. C'est la différence avec Jordan. Par exemple, au Bulls, quand on perdait le camp, il y avait un rebond, c'est Scottie qui avait le ballon. Comparément, essaie de comparer les deux, différence quand même. Ce que je te dis, au Lakers. Tu jouais au poste de meneur et puis comme shooting guard en même temps. Alors, Jordan. C'était Derek Fisher, le patron. Scottie n'a jamais. Laissons un peu réagir, Patrice. J'ai dit, je parle de la période après. Attendez après, un peu, Patrice. Quand Derek Fisher est parti, il est parti au Hornets. Je ne sais plus si c'était Hornets. Il a allé faire deux saisons. Je sais dans quel club avant de revenir gagner les deux prochains titres. Attendez un peu, Patrice. Il n'était pas là. Ouais. Vas-y, réagis un peu parce qu'on ne t'entend pas assez. Vas-y, réagis par rapport à ce que tu voulais dire. Non, moi, je voulais juste préciser que la période où on commence à coller vraiment cette étiquette de chiche là, Kobe, je crois que c'est après le départ du chez quoi. Et à ce moment, lui-même, il se plaint que voilà, il n'a pas assez de soutien dans son équipe. Donc, du coup, il était obligé de prendre la plupart des tirs quoi. Et je voulais aussi préciser que voilà, le principal problème que Kobe avait, c'était que il se plaignait tout le temps que Cheikh ne bossait pas assez quoi. Il venait à l'entraînement, il se donnait pas à fond. Du coup, voilà, Cheikh savait qu'il était dominant, il était le meilleur pivot, fait de l'autosuffisance. Donc, du coup, et à un moment, les gars ne s'entendaient plus à cause de ça parce que leur personnalité était différente. Et il fallait maintenant casser et choisir un des deux. Donc, du coup, ils ont préféré miser sur Kobe. C'est pas qu'il a voulu le chasser et tout, non, mais il demandait juste à Cheikh de plus bosser quoi. Non mais je suis désolé, il a dit soit Cheikh soit lui. Comment tu dis qu'il ne voulait pas le chasser? Non mais moi je sais pas si l'histoire là vous avez suivi quand Cheikh a raconté l'histoire là sur le plateau. Cheikh n'a jamais voulu que l'histoire prenne feu. C'est ce que Cheikh en fait, est un peu trop intelligent. Cheikh n'a jamais voulu qu'on la carrière de Kobe avec ça. Il faut vraiment penser à ça. Cheikh n'a jamais voulu détruire la carrière de Kobe avec. Cheikh a pris ça comme un gars loca. Il a dit ok, bon, c'est moi, je peux encore jouer. Tu ne peux pas dire que Cheikh va mentir à la mort de Jim Buss. Cheikh a parlé de cet épisode-là quand il parlait de son père spirituel, Jim Buss. Et il a dit qu'il a toujours été gentil avec lui, mais que quand il a voulu diminuer son salaire en 2004, il a dit, écoute, je veux bien que tu restes, mais je baisse le salaire. Cheikh a dit non. Le gars a dit, ok, je te trade. Voilà que l'affaire, Buss a dit, maintenant tu vieillis, moi je veux miser sur autre chose. Parce que Malone Payton, l'épisode a raté. Ça a raté l'histoire de ramener Malone Payton. Buss lui a dit, c'est ce que Cheikh a dit, c'est pas moi. Ah, je me souviens de ce discours parfaitement. Je pense que c'est fou dans les archives, je peux le trouver. Il n'a pas demandé, il a demandé une augmentation, pas une diminution. Et on a refusé, il a dit qu'il part. Pas une diminution. Je me souviens de ce discours de Cheikh à cœur. Et puis, je pense que c'était pour les bifs qu'il y avait entre Kobe et lui. Il n'a jamais voulu parler de ça. Il a toujours
pour tirer le côté positif de ça. Quand tu lui parles de ça, il dit que Kobe et lui, là, ils ont gagné 3 titres. C'est mais il le dit clairement que même s'ils ne s'entendaient pas une fois sur le terrain, ils allaient chercher la victoire ensemble. Ce n'était une fois sur le terrain. Et lui-même, il le sait, Shaq, il le regrette le premier parce qu'il sait que s'ils étaient restés ensemble, c'est qu'ils prennent 7 bagues. Lui, pour lui, le mot 7, ils prennent au moins 7 bagues faciles. C'est pour lui ce qu'il pense. Moi, je ne suis pas sûr, mais je pense que au fond de lui, Shaquille O'Neal, parce que si les Lakers disaient à Kobe, mon frère, Shaq reste, Kobe n'allait rien faire. Ce n'était pas le patron du tout. Ouais. Ou c'est Shaq qui n'aurait pas dû demander l'augmentation, ou c'est Buzz qui aurait dû augmenter Shaq et dire reste. Reste encore même 2 ans. Parce que la preuve, il ramène un titre à Miami en 2 ans. Pour moi, je pense réellement qu'aux Lakers, ils allaient prendre au moins 2 titres encore. Ensemble, je pense qu'ils allaient faire peut-être 5 titres. Mais lui, il pense à 7. Mais ce que beaucoup pensent, c'est qu'ils ne s'entendaient pas, certes. Mais si, une fois qu'ils allaient sur le terrain, on ne voyait même pas ça. Puisque c'est après dans les journaux qu'on disait qu'ils ne s'entendaient pas. Mais sur le terrain, ça ne se voyait pas. Il y a plein de gens, c'est les professionnels. Quand ils sont sur le terrain, c'est pour travailler. C'est pour jouer, ouais. Mais c'est le principal regret qu'ils peuvent avoir. Hein. Ils peuvent avoir ce principal regret-là. Après, on ne refait pas l'histoire. Je pense que c'est même ce départ de Shaq qui a fait qu'en partie, Kobe Bryant commence à être aimé de d'autres personnes. Je pense que c'est le truc l'a rendu d'une part un peu humble. Parce qu'il a dû reconstruire cette équipe pour attirer des joueurs. Il a dû travailler. Bon, le mec travaille déjà comme un fou, mais il a dû travailler tactiquement, voir comment... Puisque eux-mêmes, ils le disent, le recrutement se faisait avec lui. Le fait de demander, écoutez, je veux bien Gasol, est-ce qu'il y a moyen, est-ce que je veux... Puisqu'il a menacé même en 2007... 2007, il partait à Detroit. Ouais, le gars a menacé, mais ils ont fait du recrutement pour lui en disant, écoute, tu veux quoi, tu veux qui? Ils ont pris les joueurs qu'ils ont pu et il a fait 3 finales d'affilée. Ouais, parce que s'il faisait tout ça là pour aller verser l'huile, on allait lui dire, mec, tu nous as perdu le temps. Je pense que il aurait pris 6 titres, mais si il avait pris 6 titres avec chaque, on va essayer de reprendre. Un chemin. Hein. Petite remise sur le score là. On est à 57-42 pour les Jazz. Look un peu l'action que le Mamba il va dire là. Il a fait 24, il a 24 points. Il est à 24 points, c'est ça, hein? 24 points, 2 rebonds, 1 passe décisive pour le Mamba. On est au 3ème quart-temps. Il est à 26 points, Cathy, 26 points. 26 points pour le Mamba. J'ai l'impression que moi j'ai un peu d'avance sur vous, hein. Là, maintenant, il vient de marquer pour le 26e. Ah ouais. Bon, peut-être à mal l'avance ou bien toi, peut-être vous tout sur l'avance. Non, moi, j'ai quelques secondes parce que bon, je suis sur Beansport, mais sur Internet, c'est vrai que j'ai ouvert aussi Internet. Et coucou, petit... Kobe, tue-moi. Bref, vas-y, raconte. Il a 28 points. Il est à 28 points. C'est son 24e point là que moi je vois maintenant là qui m'a. Il est déjà à 28. Non, il est à 28 maintenant. 28 points. Il est à 28. Ouais. Au niveau des réseaux là, ça ralentit parce que moi je suis à 26. Vous êtes à 28. Moi je suis à 20. Je suis à 26. Il est à 28. Hein. Ah ok. Oui, la question que je voulais poser pour reprendre un peu le cours parce que bon j'ai. C'est vrai qu'on est parti en live. Bon, moi, j'ai été un peu perturbé par les petits soucis techniques parce qu'il fallait que je remette un peu les choses en marche, là. Patrice Njeka. Ouais, Philippe. Je voulais te poser la question. Tu te souviens du concours de Dunk en 97? De Kobe. Je me rappelle. Est-ce que c'est un concours de Dunk qui t'a marqué ou pas du tout? Bon, on va dire, c'est vrai que quand je regardais la liste des participants, le niveau n'était pas très très relevé, mais bon. Mais du coup, à l'époque, voilà, personne ne connaissait Kobe, ce jeune petit qui sortait de nulle part, quoi. Ouais. Voilà, du coup, bon, il avait gagné le concours avec un joli dunk, et voilà, c'est là où il a commencé vraiment à se faire connaître. Tu me comparais à l'année aussi du concours, je crois bien.
Ray Allen. Oui, oui. Donc oui, le père l'a cherché à dunk un jour dans sa vie. Non, il était très fort au dunk, David Weber. Il était très fort au dunk. Quand il était à Milwaukee, il était excellent. Il faut regarder. J'allais poser la question à Bryce. Bryce, raconte-nous le concours de dunk de Kobe de 97 qu'il a gagné. Là. Ça t'a marqué ou pas? Ça t'a marqué à l'époque? Ça m'a marqué parce que, effectivement, c'est comme s'il a compris. Pour être grand, mais pour se faire connaître, il faut passer par certains trophées. Tu vois, c'est-à-dire, il n'était pas encore, on ne le connaissait pas encore trop top. Il se faisait découvrir et tout. Et puis, il avait cet athlétisme, il avait ce timing où, à son âge, dans sa propre courbe d'évolution de joueur NBA, il faut passer par là. En tant que smatcher, en tant que flashy, tu dois passer par le concours de dunk, tu dois le gagner au moins une fois ou bien faire quelque chose de grand. C'est-à-dire, c'est un peu comme Jordan l'a fait, un peu comme d'autres. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on va encore dire, je reviens sur l'autre, mais on se demande, mais il saute et tout, il se match, mais pourquoi il n'a jamais vu d'un concours de dunk? Ouais, donc pour toi, c'était un passage obligé pour lui. C'est un passage lui. Obligatoire. Tu dois avoir un concours de dunk, tu dois avoir un MVP, tu dois avoir un MVP de la saison, tu dois avoir un MVP des finales, tu dois avoir un MVP du All-Star. Tu dois avoir tout ça, en fait. Pour ça, entrer dans le. Ça faisait partie des étapes qui devaient. Passer un âge, tu peux faire le concours de dunk. Ok. Simon, le concours de dunk de Kobe en 97, ça t'avait marqué? Simon? Simon, tu m'entends là maintenant? Allô? Non. Bryce, tu m'entends? Ah, des soucis avec la. Non. La ligne, c'est embêtant. Simon? Tu as une voix robotisée là. Il faut. Simon, là, c'est mieux? Allô? Ah. Ouais, là, c'est mieux. Ok. Simon, c'est bon là, de ton côté? Ouais, c'est bon. Simon, raconte-nous alors, quand Kobe a gagné le concours de dunk en 97, ça t'avait marqué ou pas du tout? Ça m'a marqué sur le coup, mais comme tout le monde, le concours, quand ça a pris une autre dimension, après Vince et tout, on s'est dit, bon, les gars d'avant, là, ils nous ont blagué. Parce que à l'époque de 97, on se rappelle que Isaiah Rider avait ramené le fameux Rider, hein, le bitume oui, de l'ex. Oui, le Rider. Le bitume de l'ex a fait en sorte que dès que tu faisais ça, tu étais sûr que non, là c'est bon. Donc lui, il avait fait ça d'une façon encore plus nyanga. Donc pour nous, ça n'avait, pour un petit en plus, avec l'âge, tout ça, le buzz autour de lui, c'est le seul truc qui m'avait marqué, c'est ça. Mais c'est après que j'ai vu que ce concours-là était... d'un niveau super moyen. C'était d'un niveau super moyen. C'est pour ça que je dis que malheureusement, c'est passé d'un bon concours que moi j'avais bien aimé à un concours que j'ai jugé très moyen. Après, très moyen. Très moyen. Ok. David Weber. Ça accote ou bien ça accote? Non, je suis là. Je vous entends. Ah, ok. Ouais, parce que je me suis. Oui, donc c'est après qu'on a vu que... Mais malheureusement, c'est comme ça avec l'évolution. Il y a des concours de dunk qui nous ont paru bien que... Il n'y a que vraiment celui de 2000 qui ne vieillira jamais. Je pense que celui de 2000 ne vieillira jamais parce que ça a été un tournant dans l'histoire du concours de dunk. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. 2000, c'était Vince Carter, non? Oui, oui. Ouais. 2000, ça a fait une transition terrible. Mais vous vous rappelez des concours de dunk comme celui avec l'autre là? Oh, celui D Brown qui a gagné le concours de dunk en faisant semblant de baisser la courir, tête. De courir les yeux, ouais, bien sûr. C'est vrai. D Brown, les Celtics, bon. Ouais. Mais oui, à l'époque là, tu gagnais le. À son époque, il a gagné le concours de dunk avec ça, mon frère. C'est là que tu David. Parce que son dunk, la blague. Non, son dunk là, c'était juste pour la comédie, mon frère. David Weber. Kobe Bryant a commencé avec les airballs, mon ami. Oui, oui, il a mis un gros airball là tout à l'heure. David, tu m'entends? Il va faire 30 points quand même. Bon, moi je suis à 28 points.
28.3 pour ouais, une passe pour Kobe. 62 pour les Jazz, 50 pour les Lakers. Non mais, non, mais le pire, c'est qu'il fait les passes à ses joueurs, mais il veut pas tirer. On dirait qu'il le cherche. Gars a déjà pris, il a pris plus de tirs que tous ses autres coéquipiers réunis, même avec les bancs. Non, les gars le cherchent, il faut voir. Les gars le cherchent. Oui, mais à un moment donné, je vois Clarkson seul, il ne veut pas tirer. Russell seul, il ne veut pas tirer. Le gars a pris 28 tirs, mon frère. Peut-être que ce soir, il va prendre 70 tirs. Ah, mais il est fort, hein. C'est comme ça qu'il a échoué l'équipe. Là. L'équipe, toute l'équipe a pris 25. Tout le reste a pris 25. Combien a pris 28? Oh là là, mon gars, Clarkson lui a fait hommage. Hein. Oh ça, c'est son 360 favori qu'a le gars Goé seul. Allô, David, tu m'entends? Oui, je t'entends, Philippe. Je voulais te demander pour le All-Star Game en 97, ça t'avait marqué ou pas? Bon, j'ai vu ça plutôt après, hein, avec la venue de Internet. J'étais pas encore basketteur. Tu l'avais pas vu en direct? Ok, ok. Non. Simon? Oui, oui. Est-ce que tu te souviens des premières confrontations entre Kobe et Michael Jordan? Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Alors, mais ça faisait partie des ways que moi-même, je me suis dit, les gens sont devenus fous. Ça faisait partie de la période, surtout que les Bulls sortaient de leur record de 96 et tout. Donc, les Bulls sont... Il a mis 30, hein, Weber, c'est le 30e qui est Jum. Voilà, 30 points, c'est bon. Donc, il a 30 en fait, points, ouais. Les Bulls sortaient de leur saison 96. Bon, on espère qu'il va rester à 30, hein, parce que moi, j'ai dit 30. Non, mais il va mettre 40-45, hein, ne cherche pas. Non, mais j'ai dit qu'il faut qu'il fasse 30 pour qu'il sorte du haut. Non, non, c'est ton problème, il n'y a pas de problème. Reste à vie, ça ne nous dérange pas. On a compris le problème. Tu vois, non. Simon, vas-y, enchaîne. Donc, à chaud comme ça, les confrontations face à MJ. Oui, donc, je disais que... rappelle-toi que les Bulls... les Bulls sortaient quand même de la grosse saison 96... Après, lui, il est venu. Donc, pour moi, je disais, mais c'est la blague que la NBA a fait, quoi. Il commence... Mais, donc, tu vois, il nous faisait des gestes quand même bizarroïdes. C'était quand même des trucs qu'on n'avait pas beaucoup vus. J'avoue que les premières confrontations, Jordan, lui, sentait la misère et le vrai jeu. Mais lui, il sentait des petits ouais quand même que tu sentais que, au niveau athlétique, c'était un truc rarement vu. Je sais pas si tu te rappelles, c'est. Le gars à la Goué en contre-attaque, tout le monde bloquait son souffle. C'est vrai. Tout le monde bloquait son souffle parce qu'il sortait des déhanchements en l'air, des dunks bizarres, des trucs. Mais sur le jeu, je me disais, bon, Jordan le maîtrise pas fort. Ouais. Jordan le maîtrise pas fort. Bryce. Non, le gars était prêt dans sa jeunesse, il était vraiment très fit, quoi. J'avais vraiment apprécié la finale, je sais pas, c'est 2008 contre les, quand ils ont gagné les Celtics. Le gars a vraiment bossé, quoi. Et surtout lors du dernier match, 2010. Je pense que c'est la 7e confrontation, il fait 18.15 rebonds. Il est allé vraiment défendre, ça m'a plu. C'était un gars qui travaillait. Mais bon. Alors, 32. Bryce, tu m'entends? Bryce. Après, il faut quand même dire que son caractère égoïste, quand même, ça n'a pas beaucoup aidé son image. Poupon, tu m'entends? Ouais, ouais, ça va. Bienvenue, on est en direct avec Prince Poupon de Bana qui est en direct sur le parquet de la radio off. C'est comment, mon frère? Ouais, bonsoir la famille, tranquille. Alors, tu es en direct avec Simon Ama, David Weber, Bryce Ngachou et Patrice Djeka. Bonsoir le prince. D'accord. Ouais, bonsoir tout le monde. Bonjour, je dois dire. Bonjour. Alors, on dit quoi, mon frère? Tu as trouvé la force de te réveiller ou c'est passé ton heure d'habitude te réveiller pour aller au boulot ou c'est comment? Non, tu es debout depuis. Dernier jour du Mamba, tu te lèves parce que tu comptes sur quoi? N'est-ce pas? Allez, je le rappelle aux auditeurs, le score c'est 64-56 pour les Jazz. Kobe est à 32 points, 3 rebonds et une passe. Ouais, c'est pas possible. David Weber, hein, comment? Il est à 35, hein. Il n'est pas à 34. 35 points.
Il a 35%. Donne Mike, c'est le suivant. Ok. Poupon, tu as entendu le direct ou comment tu as su qu'on était en direct? Ah ouais, non, j'ai écrit sur Hall of Fame, j'ai demandé si... j'ai demandé un lien, mais sur tous les liens, j'arrive pas à voir le match. J'ai pas booké chez moi, donc... Ah, ok. Le match, je suis venu chercher l'information à la source, quoi. Ah, ok. Vas-y, Simon, envoie-lui le lien. Donc, comme tu le sais, tu as vu la pub qu'on a un peu fait sur le off. C'est la journée spéciale du dernier match de Kobe. Donc, on se remémore les bons vieux souvenirs, non, mon frère? Ouh, 3 points. Ah oui, yeah. Hein? Ah oui, il y en a tellement. Alors, à chaud comme ça, Poupon, je te lance comme ça sur le direct. Est-ce que tu as les larmes aux yeux? C'est quand même une page. C'est une page de l'histoire du basket qui se tourne avec ce dernier match de Kobe, non? Non, mais direct, moi je dis, c'est une partie de nos vies à tous, parce que moi, quand on parle de Kobe, je me revois au lycée avec l'afro et Kobe au pied. Ouais. J'avais enlevé mon nom sur ma tenue pour mettre Kobe Bryant. C'était une nouvelle manière de voir le basket qui s'ouvrait. Et comme Jordan a dit dans son mémorial, on peut que lui dire merci pour la nouvelle manière de voir le basket qu'il nous a apporté. Voilà. Ouais, ouais, c'est, ouais. C'est toute une partie du basket qui va s'arrêter aujourd'hui. Heureusement, peut-être il y a des jeunes qui ont pris le relais, qui ont pris les rênes. Mais comme Magic Johnson a dit, il y aura pas un autre Kobe, ça c'est sûr. Ouais, c'est clair. Bryce, est-ce que tu m'entends? Je te suis très bien. Je voulais te poser la question, est-ce que tu te souviens des premières confrontations de Kobe face à Jordan? Oui. Je m'en souviens, mais à ce moment, je ne réalisais pas Kobe du tout en tant que une future star qui va percer. Parce que, comme je le dis volontiers, moi, j'ai commencé le basket avec Jordan. Oui. Donc, tout ce qui jouait contre Jordan ne m'intéressait pas. C'est comme tu réalises juste, OK, il y a un bon joueur de l'équipe adverse, il y a peut-être un petit, un jeune, mais bon, dans tous les cas, sa carrière va s'arrêter dans quelques années parce qu'il ne va pas briller autant que Jordan. C'est un peu comme ça que quand tu défends Jordan, que tu vois la chose, tu vois, tu te dis, bon, c'est un petit qui vient gueuler, un peu comme quand on a vu Curry à l'époque venir ici faire du slash talk à Kobe. Tu te dis, bon, lui va jamais arriver. 10 ans plus tard, il est arrivé. Ouais. Voilà, donc c'est comme ça que tu voyais la chose. C'est comme ça que je le voyais. Donc, je regardais plus Jordan en regardant ce match. Et puis, je voyais un genou qui essaie de se faire voir, mais qui n'allait pas arriver. OK. Patrice, tu m'entends? Ouais, je suis là. Tu te souviens du premier titre de Kobe Bryant? C'était en 2000, le 19 juin. C'était en 2000. Le premier titre de Kobe Bryant. La première finale. Je me trompe. En 2000, ils affrontent. C'est l'année où ils affrontent C'était Indiana, je crois. Sacramento. En 2000. C'était New Jersey, je crois que c'était Sacramento. En 2000, je crois que c'était pas Sacramento. 2000, c'est le Suns, non? La finale NBA 2000. C'était New Jersey contre qui, non? Non, la première finale, c'est contre les Pacers d'abord. C'était Indiana. Après, Indiana. C'est Indiana. Les Pacers d'Indiana contre les Pacers. Ah ouais. Oui, je te pose la question. Tu te souviens un peu? Il n'était pas encore. Il n'était pas encore aussi fort. J'avais quand même quelque chose. Alors, c'était l'époque de. Comment il s'appelait là? L'intérieur là. Wallace là. C'est ça, non? Je crois, ouais. À chaud comme ça, quand tu repenses à ce premier titre, qu'est-ce qu'à chaud comme ça tu peux dire à chaud? Non, bon, du coup, voilà. C'est vrai qu'à cette époque, c'était plus Shaquille O'Neal qui dominait les Lakers à l'époque. Ouais. Ouais. C'était plus Shaquille O'Neal qui dominait. Mais Kobe Bryant faisait déjà des actions des actions. En 2000. En 2000, oui.
en 2000. Mais en 2000, je pense qu'il se distingue surtout en play-off, mais Echak finit le boulot en finale, parce que surtout en finale, il y avait en face le gros pivot, le grand pivot blanc là, que les Pacers savaient. Ouais, mais là où Kobe commence à rentrer dans la légende, c'est le fameux Game 5 où Shaq sort pour 6 fautes. Et aux prolongations, Kobe met tous les points. Il part gagner le match seul. Là. C'est là, je pense que là, les gens ont dit oui, lui, c'est quand même quelqu'un. Parce que le gars avait quel âge ? Il avait 20 ans. Il avait 21 plutôt. Il n'avait pas encore ses 22 ans. Il avait 21. Et il est parti gagner le match là seul. Et là même, Shaq est venu le porter en disant que non, je joue avec le meilleur joueur du monde en fait. C'était une façon de lui rendre hommage. C'est vrai, Lui faisait des gros scores en playoff, Kobe. Je me rappelle les playoffs 2001, il tourne à plus de points que Shaq hein, dans l'ensemble des playoffs. Ouais. Sauf que c'est en finale que Shaq lui l'a dit, bon, donnez-moi le ballon et j'ai fini. Bryce. Ouais. Je voulais te poser la question concernant Kobe dans l'histoire du All-Star Game en NBA. Je crois que c'est lui qui a le plus grand nombre d'apparitions All-Star Game, non? Oui. Non. C'est qui? Jabbar. Est-ce qu'on compte les gens comme ça encore, dis donc? Pour on compte pas. La question que je voulais poser à Bryce, c'est quoi? Kobe au All-Star Game, c'était pas seulement pour faire le beau, c'était quelqu'un qui venait et qui s'imposait. On peut dire ça, non? Ouais. Bon, déjà il faut noter, effectivement, il commence en NBA très tôt. Et d'avoir 18 apparitions au All-Star Game en 20 saisons, et bon, je connais plus les statistiques, mais pour être All-Star Game, il faut être aimé du public. C'est les votes, c'est le public qui vote. Et s'il réussit à y être et toujours être dans le 5 majeur, c'est déjà une très grande performance. Et naturellement, pour quelqu'un qui aime gagner, qui venait s'imposer, qui venait défendre son identité, il venait pas s'amuser. Il s'amusait le temps qu'il fallait, mais là où il pouvait, les saisons où il pouvait jouer pour le trophée ou bien pour la gagne du All-Star Game, il le faisait. On a vu par exemple comment il a plus ou moins gâté le dernier All-Star Game de Michael Jordan. Ouais. Et on a aussi vu des All-Star Games où le trophée lui revenait, mais on ne lui a pas donné pour des raisons politiques. Mais sinon, il venait toujours pour marquer l'histoire. Et c'est ça qui a toujours été fabuleux, ce jeu-là. C'est que même dans le jeu, lui, il voulait d'abord gagner. C'était vraiment frappant. Poupon, ouais. Je voulais te poser la question par rapport à la carrière de Kobe. Tu sais que Kobe n'a eu qu'un seul titre de MVP, je crois. Oui, c'est vrai. Est-ce que pour toi c'est injuste ou bien est-ce que tu crois que est-ce que pour toi c'est normal ou bien est-ce que tu penses qu'il en temps normal il aurait normalement pu en gagner plus au niveau de ses titres d'MVP? Qu'est-ce que tu à chaud comme ça, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, je pense que c'est un peu injuste par rapport à l'étendue de son œuvre, mais dans la vie on peut pas tout avoir. Je pense que en dehors de ça il y a d'autres belles choses. Mais comme un frangin a dit tout à l'heure, si je pense que le tournoi a été le deal avec Shaq qui s'est mal terminé, Kobe n'a jamais retrouvé après Shaq une personne sur laquelle il pouvait s'appuyer pour. Je le rappelle, son titre de MVP c'était en 2008, le 6 mai 2008, son unique titre de MVP. De la ligue. Le seul autre qu'il aurait pu mériter en 2008 n'a pas mérité, je trouve. Je pense qu'en 2006 qu'il a mérité le titre de MVP. Oui, et oui. C'est le seul c'est d'ailleurs. Et pourquoi on lui a pas donné? Bon, je sais pas. Peut-être parce qu'il n'est pas allé au playoff, si je me trompe pas. Non, c'était la saison des Lakers. Ils étaient allés au playoff. Ils étaient allés au playoff, mais ils étaient 7e ou 6e. On n'est pas fini plus grande saison, du coup on l'a procédé de Nash.
Popon, tu veux... Beaucoup disent que voilà, que Kobe mérite. Non, la saison, les Lakers faibles de ouf, les gars les avaient amenés en playoff avec 30 combien de points de moyenne, je sais même plus. C'était, oui, je pense qu'il avait 6 rebonds, 5 passes toute la saison. On lui a pas donné, les gars. C'est là où Stern avait dit... Attends un peu, Simon, je voulais que Popon finisse d'abord de parler parce que je voulais qu'il finisse. Popon, tu disais donc qu'il ne peut pas tout, il ne pouvait pas tout avoir, mais bon. Je voulais que tu finisses ce que tu disais. Ça fait partie des choses que je pense qu'à lui-même, ça reste en travers la gorge. Mais moi, je préfère me concentrer sur les autres choses qui étaient bien. Il y a pas mal d'autres distinctions individuelles. Qu'il a gagné. Fin, je pense que la déception est maigre. Ok. Le doc. Comment cette truc-là, un Kobe Bryant qui n'a qu'un seul titre de MVP, pour toi, c'est à chaud comme ça, qu'est-ce que tu as à dire sur cet aspect de sa carrière? Non, mais ça se justifie par deux trucs simples, deux ou trois trucs. La compétition dans les années 2000, déjà, quand tu vois les gars qui étaient en lice, c'était déjà compliqué de voir un MVP quand tu avais chaque qui, toute une saison, finissait dans les 30 points et 15 rebonds. C'était assez compliqué. Il y a eu des saisons où Duncan a surnagé complètement. Même McGrady n'a pas eu. T-Mac a fait des saisons de malade. C'était très compliqué. Il y avait de la concurrence. Mais les autres saisons, je pense qu'à partir de 2004, le deuxième truc, l'histoire de viol, l'image... Stern n'en a jamais voulu comme l'image de la NBA. Parce que la NBA, c'est un business aussi. Hein. C'est un moment où tu peux pas vendre une image de quelqu'un en justice pour des histoires de viol. Pourtant, qui a été innocenté, mais ton nom est sali. Stern n'en a plus voulu, de toute façon. Je pense que Stern a avoué juste la première fois en 2010 que, lui, il y a MJ et il y a Kobe. C'est la first fois qu'il disait, OK, là je me range. Et je pense que ça aussi, ça a joué contre lui, hein, parce que, comme on dit, 2008, lui, il a fait le boulot en 2008, mais en 2005-6 aussi, là, il a fait le boulot, hein. On peut pas nier ça. Tout le monde l'a vu. Mais par contre, je le vois pas prendre 3-4 titres de MVP, tout simplement parce que il a reconstruit les Lakers. Et quand tu finis 8e ou tu ne vas pas en playoff, tu as beau tout faire. Le titre de MVP, c'est compliqué de te le donner dans le business. Ouais. Mais par contre, Phil, c'est un truc que j'ai. On a souvent parlé de ça sur le off. Kobe Bryant a eu la chance, l'extrême chance d'être aux Lakers. Mais il a aussi travaillé pour ça, certes. Mais ce mec-là et ses aptitudes auraient joué dans la conférence Est des années 2003 à 2010, c'est qu'actuellement, il a passé Malone. Ouais. C'est qu'actuellement, et qu'il a peut-être un deuxième MVP, parce qu'il y a une période où la conférence Est allait sortir deuxième, troisième ou premier. Ce n'était pas très compliqué quand même. Ce n'était pas très compliqué, parce que je pense qu'il y a une période où Détroit a dominé. C'était l'une des plus grandes équipes de la NBA, mais en conférence Est, les mecs, ils se baladaient. LeBron James, jouait la saison régulière. Il dominait. Après, c'est Boston. Mais il n'y a jamais eu, à un moment donné, comme à l'Ouest, un enchaînement de Dallas, Phoenix, San Antonio, Houston, Los Angeles, même Utah de Deron Williams. Un moment, et même Denver de Carmelo et de Iverson, c'était très compliqué. Pour un joueur de pouvoir surnager en jouant toute la saison contre eux. Ouais. Je pense que ça aussi, dans l'histoire, ça peut rentrer en compte aussi pour choper un titre de MVP. Tu sors 8e de la conférence Ouest, là où tu aurais peut-être joué à l'Est, tu aurais été 3e. Donc ça aussi, c'est... Mais bon, chaque n'a eu qu'un seul MVP, hein. Et le maigrichon n'a jamais eu deux. On ne sait comment, mais bon. Justement, 2006, c'est Nash.
qui gagne, non? Nash, c'est le seul à avoir doublé dans cette période-là. Nash a eu deux, Shaq a eu un, Olajuwon a eu un, même le Shaq le dit. Olajuwon n'a eu que lui-même un seul. Mm. Mais Shaq n'a jamais digéré. Shaq n'a jamais digéré l'un des titres MVP de Nash parce que la saison là aussi. Les deux. Parce que, mais c'est vrai que la saison là, Shaq aussi fait une saison de malade. Shaq aussi, je pense qu'il il est facilement à du 30-15, 30-14 ou un truc comme ça là. Il est dans 30-15 ces deux saisons, mais on donne à Nash. Oui, Shaq n'a jamais digéré aussi la saison là, je pense. C'est vrai. Bryce. Oui. Je voulais te poser la question. Je rappelle aux auditeurs, on est au niveau de. Oui, c'est le quatrième carton. On est à 11 minutes au niveau de mon écran. Kobe est à 37 points, 3 rebonds, 1 passe. Vous avez les mêmes stats aussi chez vous? Oui. Il est à 37 points. 37 points pour Kobe. Il est bloqué à 37 depuis là. Massa, okay. Curry a 45 points en 30 minutes, papa. 80-68 pour les Jazz qui sont devant. Alors, je voulais poser la question à Bryce. Est-ce que tu te souviens, bon, on se souvient tous de cette date-là, le jour où Kobe a marqué les 81 points. Est-ce que tu avais vu le match en direct ou tu étais venu après? J'avais vu le match en direct. Alors, quand tu as appris qu'il a mis 81 points, raconte-nous ce que tu as ressenti, comment est-ce que tu as... Bon, je me rappelle que j'ai recherché le match et puis je l'ai revu vraiment, j'ai revu les highlights et 81 points, tu te demandes mais est-ce que c'était... est-ce que c'était sur les overtime, sur overtime? C'était la première question que je me suis posée. et après, tu regardes le match, tu te rends compte que bon, le gars, il n'a même pas joué 35 minutes, je crois. Et c'est fabuleux parce qu'on a, vu des joueurs être on fire, tourner à certains chiffres, mais 81 points, c'est même pas imaginable. Même dans le jeu vidéo, c'est pas facile à faire. Hein, 90. Poupon, tu m'entends? Ouais, Phil. Tu te souviens de la première fois que tu as entendu parler des 81 points? Tu te souviens où tu étais? Moi, j'avais dormi. Le jour-là, j'avais dormi. Quand je me suis réveillé, chez Go School, tout le monde en parlait. Mais malheureusement, à l'époque, au pays, on n'avait pas la possibilité de revoir le match. Revoir le match. Mais un show comme ça, quand tu as entendu, ça t'a fait quoi? Tu as ressenti quoi quand tu as appris ce truc? Ben, c'était un peu comme quand tu es mounon, on te dit que ton pâté a baillé la voiture. Tu vois, un peu, c'était un truc. C'était un truc un peu surnaturel, mais quand j'ai revu, c'est une vidéo que j'ai téléchargée que même quand les business ne voient pas, je regarde souvent un peu pour trouver la motivation parce que c'est incroyable, ça reste incroyable. J'ai vu pas mal de commentaires sur d'autres joueurs qui ce soir là, en fait, ce qu'ils étaient en train de faire. Tout le monde s'appelait, tout le monde disait, écoute, tu es en train de rater un truc peut-être plus important de l'histoire du basket. Donc, tout le monde ce soir était en train d'arrêter ce qu'il fait pour se mettre à la télé. Donc, c'était aussi surnaturel que pour moi, pour le Cameroun, que pour beaucoup de personnes dans le monde. Ok. Patrice! Oui. Alors, le jour que tu as appris que Kobe a mis 81 points, Qu'est-ce que tu as ressenti? Tu étais où? Je me rappelle le jour là. Je me rappelle le matin, je crois. Je sortais pour aller à l'école et tout. Bon. J'avais mis un peu mis Euronews pour suivre les infos. Bon. Au moment de leur report, je suis. Voilà que les Lakers ont gagné Toronto avec 81 points de Kobe. Bon. Du coup, j'étais convaincu que bon, le journaliste avait fait une erreur. Et après, voilà. Quand j'arrive à l'école et tout, voilà, les gars m'en parlent. On dit.
à part la pause que Kobe a fait, Kobe a fait ça cette nuit. Et on voit, je disais que ouf, vraiment, je ne pouvais pas imaginer que, voilà, après les 100 points de Chamberlain, on peut encore avoir une telle performance, quoi. Donc, j'étais vraiment failli. J'ai compris qu'on a, voilà, on le fait même si on le fait sans aucun doute. Ok. Bon, je rappelle aux auditeurs, Kobe est à 40 points, 3 rebonds, 43 points, 3 rebonds, 1 passe. Petit commentaire. Gars, mais il faut voir quand même, le gars a tiré 39 fois. Bryce. Oui. Un petit commentaire sur les stats de Kobe. Il reste 9 minutes à jouer pour sur mon écran. 43 points. Non, c'est du 50. Moi, mon seul commentaire, c'est qu'il va faire plaisir à Shaquille O'Neal qui lui a commandé 50 points ce match. Il va les faire et puis on est content pour une dernière performance comme ça. Parce que quand on suit le match, on se rend même compte que le Jazz n'est pas venu lui faire de cadeau. Hein. Il y a un petit blanc là qui est en train de le barrer comme si on l'a payé seulement dessus. Il ne pense même. Le numéro 2, là, son nom, c'est quoi même d'abord? Numéro 2. Gordon Hayward. Ouais. Non, c'est pas lui. Hayward. Oh là, c'est Joe Ingles. Il y a le contre de l'année qui vient de se faire là. Le numéro 2 me tensionne parce que s'il n'était pas là, c'est que le Kobe au moins a 70 points maintenant. Wow. Ouais, papa. Non, mais là, il y a match. Là, ils vont jouer. Regarde la défense. Regarde la défense. On ne défend pas Hachidon et laisse pénétrer. Tous les drives. Non. Weber, regarde le match. Tous les drives, non, le laisse faire. Mon frère. Le laisse faire. Regarde, veut pas le Shiba, le Stoneman. Ouais, ben, non, il s'est fait contrer sauvagement là tout de suite. Hein. Il partait d'abord. Qu'est-ce qu'il fait comme ça? Le doc. Oui. Vas-y, dis-nous à chaud ton ressenti quand tu as pris les 81 points. Ah, Mola, c'était très compliqué. Déjà, tu étais où? Tu faisais quoi? Tu étais où? Ah, j'étais ici sur Angers, non. Je me cherchais dans mon school, la fin de mon school et tout. Sauf que c'est cette période-là où on essayait de faire comme Kobe. Non. J'étais je sais qu'après la blessure et tout, je jouais entre la régionale 1 et la régionale 2. Et mon frère, le jour-là, je me suis levé parce qu'on ne regardait pas, Canal Plus ne nous montrait pas tous les matchs-là, dis donc. Et le seul truc que j'ai lu, en fait, parce que je me suis levé, les gars en parlaient, mais j'ai pas vu. Mais le seul truc que j'ai lu, c'est Tim Duncan qui avait commenté un truc. Tim Duncan a dit que lui-même, il dormait, c'est son père mourant qui l'a appelé pour dire réveille-toi et regarde. C'est-à-dire, pour moi, je regardais. Tu vois, on arrivait à la fac, on se connectait sur les posts internet de la fac et tout là. J'ai lu seulement l'anecdote de Tim Duncan, là, j'étais fatigué. J'étais fatigué. Duncan, là, c'est pour comporter lui-même que gars, lui-même, il était en train de dormir, son père l'a réveillé. Il croyait que son père était parti. Mon père a dit que non, je ne suis pas parti, fils. Allume la télé, tu regardes ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé ce soir au Staples. Ouais. Non, ça m'avait marqué le truc parce que je pense même que. Parce que quelques semaines avant, une ou deux ou trois semaines avant, j'étais vexé contre Phil Jackson parce que contre Dallas, quand il met ses 62 points en trois quarts temps, il le fait sortir. Alors que moi, ce match-là, sa main, je voyais une main à 90 points. Je voyais sa main chaude, je disais que le gars, il va mettre plus de 90 points ce soir. Donc moi, j'étais vexé contre Phil Jackson. Ouais, je me rappelle de ce match aussi. Moi, j'étais très vexé. Parce que. À la fin du troisième quart-temps, il le fait sortir, il ne joue pas tout le quatrième quart-temps. Et il était à 62 points. Et moi, je voyais l'objectif d'abord. Au début, je voyais les 71 points de David Robinson. Je me dis, il va battre les 71 points de David Robinson. Parce que nous, on n'a pas vu les 100 points de Chamberlain. Nous, c'était les 71 de David Robinson en ligne de mire. Et quand il a fait sortir, j'étais vexé. Je me suis dit, gars, ce soir, le gars-là allait faire quelque chose. Donc, quand j'ai vu les 81, là...
un moment, je voulais seulement crier parce que je me suis dit que soit c'est Toronto qui a été bailli. Mais quand j'ai bien vu, Toronto les menait écart de 20 combien. Après, il a commencé à marquer point sur point pour revenir. Mm-hmm. Mais je me suis dit que Toronto, qu'est-ce qu'ils ont fait comme ça? Mais non, c'était incroyable. C'était incroyable. Ouais. Et d'autres disent même que s'il ne sort pas, je pense qu'il sort à une minute ou deux minutes de la fin, un moment, Phil Jackson pour être ovationné, le fait sortir. Peut-être qu'il allait même mettre 2, 3, 3 points vite fait. Hein. Mm-hmm. Alors, on accueille Stéphane Bach qui est avec nous. Stéphane Bach. Bienvenue, mon frère. Alors, tu as regardé un peu les stats du game ou pas? Stéphane? Je regarde les 5 sur 20. Les 5 sur 20. Voilà, Kobe, j'ai suivi. Kobe est à 43 points, 4 rebonds, 2 assists. C'est et ça, 40 chiffres. Oh 40 chiffres, il faut préciser. Même allez, 70, allez. Allez, un commentaire de Stéphane Bach sur ce dernier match de Kobe, à chaud. Bon, déjà, il a 16 sur 41 et je pense que il n'y a rien à dire, dis donc. Il m'énerve. Qui fiche la paix, dis donc? Qui fout le camp? Non, mais voilà, c'est juste un match. Faut lui rendre hommage, donc voilà, on lui donne tous les ballons. Je pense même que voilà, il y a pas trop, la défense n'est pas trop. Je pense que c'est même parce qu'il est épuisé qu'il faut aussi trop de airball. Bon. Même si il est vrai, ça fait il y a 2 ans qu'on a habitué à ces airball. Mais bon, ça c'est des commentaires démagogiques, mon frère. Non, il n'y a rien de démagogique, c'est la vérité. Depuis 3 ans, on est habitué à ces floppés là, donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc voilà, c'est son dernier match, on lui donne tous les ballons. On lui donne tous les ballons. Mmh, mmh. Si tu regardes dans son équipe, personne il y a maintenant une seule personne qui a 10 points. C'est quoi, c'est Roy Burt ou bien non, Clarkson? Mais les autres ne peuvent pas tirer aussi. On donne le ballon à Clarkson. Il a 45. 45 oui, points pour Kobe. Il m'en fait pas. Mais ce qui me plaît, c'est que le match est serré malgré tout. On lui donne tous les ballons. Les Jazz défendent, non c'est 4 de 3 points. Ok. Patrice. Donc. Allô, vous m'entendez? Oui. Patrice, tu m'entends? Allô? Oui, tu m'entends. Je voulais te poser la question. Philippe, tu es le seul à ne pas nous entendre. On t'entend. Ok. Patrice, je te pose la question. D'après toi, sur les 5 titres de Kobe, d'après toi, quel est le titre le plus impressionnant pour toi? Non, pour moi, évidemment, c'est celui contre les Celtics en 2010. Parce que voilà, en 2009, les gars perdent la finale et tout. Je crois que c'est 4-2. Donc du coup, voilà, Kobe. Et là, c'était sa première finale NBA sans le chèque. Il voulait à tout prix vraiment prouver que voilà, il peut gagner un titre sans lui, quoi. Donc la saison qui suit, les gars arrivent encore à la finale contre ces mêmes Celtics. Après, je crois qu'ils se retrouvent menés dans la série 3-2. Ouais. Du coup, voilà, le match 6, les gars égalisent. Et Kobe sort un super match. Maintenant, au match 7, voilà, les gars, je crois que bon, là, il n'est pas beaucoup marqué de panier, quoi. Du coup, voilà, avec le Pau Gasol, il y avait aussi le gars qui s'était beaucoup à l'époque, là. Sandy. Oui, oui. Les Lakers ne défendent même plus. Donc, les gars reviennent et tout, donc du coup, voilà, c'était vraiment un coup de ouf. Parce que Kobe lui l'a dit que de tous ces 5, c'est son préféré. Je crois que c'est son quatrième, non? Ou c'est son quatrième, oui, son quatrième, ok. Ok. Bryce. Ouais. Pour toi, c'est quel est le titre le plus impressionnant, le plus remarqué, qui t'a le plus marqué parmi les 5? Ah.
Non, moi j'aime le cinquième. J'aime le cinquième. Pourquoi? J'ai aimé le cinquième. L'intensité. L'intensité du tir, parce que il faut déjà le faire, aller le chercher. La finale était belle. Et j'ai surtout aimé le dernier match avec où effectivement Kobe est un peu maladroit ou bien fatigué. Et Ronald Test a porté le dernier match là. Donc je l'ai vécu le vraiment cinquième. Chaque nuit. Ouais, c'était le cinquième ou le sixième. Orlando, ouais. Voilà, justement. Où Ronald Test a fait des shoots vraiment avec beaucoup de réussite. Ouais. Le cinquième pour toi. Ok. Ouais. Simon. Pour toi, c'est quel est le titre qui t'a le plus marqué parmi les 5 titres de Kobe? Ouais, mais c'est vrai que c'est le dernier, le 2010. Le 2010 face aussi, c'était vraiment. C'était jouissif de fou. C'était vraiment jouissif. Parce que déjà 2 ans avant, les gars perdent au Game 7. Et j'en ai toujours voulu aux Lakers qui avaient laissé passer l'avantage du terrain. Ils avaient laissé passer l'avantage du terrain dans les derniers matchs. Et je pense qu'ils perdent en 2008. Parce que le Game 7 est à Boston. Et 2 ans plus tard, le Game 7 est à Los Angeles. Mais c'était aussi jouissif parce qu'ils étaient menés 3-2 avant d'aller chercher le game, d'aller pousser au Game 6. Au Game 7 plutôt. Boston menait en 2010 3-2 et ils revenaient à Los Angeles pour les 2 derniers matchs. Ils ont pris le Game 6 et là au Game 7 c'était déplié. C'était quelque chose. Je pense vraiment ce titre, parce que le titre contre Dwight Howard et les Magic d'Orlando, c'est pourtant l'année 2009, on attendait cette finale LeBron contre Kobe. C'est là, moi, j'ai dit à LeBron, putain, on t'attend en finale depuis. Parce qu'à l'époque, moi, je ne détestais pas LeBron, mais je voulais voir cette finale LeBron contre Kobe. Ouais. C'est vrai que c'est l'un des grands regrets au niveau de la NBA, hein, de n'avoir pas eu Kobe contre LeBron en finale. Je ne sais pas comment LeBron, pour la première fois, il réussit à passer Boston. Et là, en finale de conf contre Orlando, il part perdre. Il est seul. Qui s'est passé. Je dis Kobe allait le fouetter en finale, la leçon de sa vie, la leçon de sa vie au golf. 4-0, gars. Le sweep qu'on a même, ça allait dépasser le sweep qu'on a donné à Orlando United en finale. Ah, vous êtes terrible. Allez, on fait quand même le point sur les stats de Kobe. Moi, j'ai 45 points, 4 bons, 3 passes. C'est 45 points, non? Oui. Ouais. En tout cas, là, Curry a dit qu'il va endemmer sa soirée. Curry est à 46, donc il va le passer. Je te dis, Curry est en train de faire le sale. Regarde, Curry, oui, il faut aussi donner les stats des Warriors. Curry, non, il a le combien score. Le score, 120-98. Les stats de Curry. Alors, les stats de Curry. Curry a 46 points. 46 points, c'est bien ça, hein? Oui, au moins, ce n'est pas 17 sur 45. 46 points, 6 rebonds, 2 interceptions et combien de et 3, 6 passes. Les gars, mais. Pour Kobe Bryant, pour Stephen Curry. Donc, j'ai un petit souci, s'il vous plaît. Les gars vont trouver ça un peu familier, mais je trouve ça un peu égoïste de la part de certaines stars quand même. Un gars comme Kobe Bryant devrait chercher à avoir un garçon à qui il devrait transmettre son talent, mais il ne le fait pas. Pourquoi? Transmettre comment? Comment parce que tu le dis? Il donne d'abord de ses talents. Je comprends pas ta question. Tu comprends pas ta question. Un garçon à sa femme ou quoi? Je dis quand même que tu vois, bon, c'est vrai que c'est trop personnel, c'est ce que j'ai dit au début, tu vois, mais à sa place, quand même, j'aurais cherché un garçon, tu vois, à sa femme, naturellement.
Non, là maintenant tu veux Djoum dans son matelas, savoir ce qui se passe là-bas. J'ai dit que c'est tout ça familier. J'ai dit au début, j'ai bien précisé que je trouve ça un peu familier, mais bon, je comprends bien David Weber. Il n'aime jamais tard pour adopter un enfant maintenant. C'est le garçon de Magic Johnson. Pour que j'ai un grand qui m'a sorti une théorie un jour. Peut-être ça waka pour moi. Pour avoir un garçon, il faut qu'au moment de joie, ce soit en doggy style. Allez, on revient au sujet parce que ça commence à partir en live là. Allez, je voulais poser la question. Philippe, merci. Je voulais poser la question à David Weber. David. Ouais, Philippe. Alors, dis-nous pour toi, quel est le titre le plus important pour toi de la carrière de Kobe sur les 5 titres pour toi? Le plus impressionnant. Je pense que c'est le titre contre les Celtics. De leur montrer que, bon, back-to-back, quand même, il peut prendre sa revanche, je crois. Il a bien fait. Et surtout, le cinquième match m'a beaucoup marqué. Parce que le gars n'a pas tenté de. Il n'a pas essayé de faire 30, 40, 50 points comme d'habitude. Mais le gars s'est concentré sur la défense. Et il a fait, je pense, 17 points, 18 rebonds, quelque chose comme ça. Mais bien que ça, ils ont gagné, quoi. Ça m'avait vraiment marqué. Je me suis dit, waouh! Au lieu d'aller devant jeter les briques dont il a l'habitude, bon, il peut se concentrer sur la défense et faire quelque chose, et ça a payé cette nuit-là, quoi. Et aussi du fait que c'était un back-to-back, donc il ne pouvait pas perdre. S'il perdait vraiment deux fois contre les Celtics, bon, les gars allaient dire, mais mon frère, tu es quel genre de star qui n'arrive déjà pas à gagner deux. En fait, on gagne deux fois d'affilée, quoi. C'est un peu ça. Ok. Allez, on est pratiquement à la fin du match. Sur mon écran, j'ai 2 minutes à jouer. 86 à 96 pour les Jazz. 47 points pour Kobe. Vous êtes d'accord avec moi? 49 points. Non, c'est vrai. Il va vraiment donner les 50 points à chaque. C'est bon, il est là. Il est à 51. 51 points. Donne-moi. Yes. Ouais. En ligne de mire. Donne-moi quelqu'un qui sort pour combien de temps? Je sais au moins que c'est pour 20 ans. Il a dit que pardon, réveille Don Mike. C'est exceptionnel quand même cette soirée. Il faut le faire. 50 et tu mets 50 points, d'être trop content. Stéphane, est-ce que tout le monde se lève pour dire qu'il va marquer 50 points? Oui, avec le gars a tiré 50 titres pour marquer. On te donne 50 titres, tu vas marquer les 50 là. Je mets 50 points. Je marque. Allez, on est pratiquement à la fin du show. Il reste 1 minute 45 à jouer pour moi sur mon écran. J'ai encore quelques questions. J'ai des dernières questions là. Questions. Les gars, le gars là calcule 60 parce qu'il est à 53. Je pense qu'il peut mettre les 60. Il reste 1 minute 22. Il va tirer tout ce qui bouge. Il est à combien, Ama? Il est à 53. 53 points. Ouais. Non, mais c'est surtout qu'il joue la gagne. Hein. Il soit à 4 points. Là, il veut aller dans le buzzer. Je pense qu'il veut aller. Il veut. Ben, je sens qu'on a sifflé à l'oreille. Oui, 56. Le feu. Il y a le feu, 56. Ouais. 4 points. Kobe. Je vous dis qu'il calcule les 60. Bryce, une réaction sur cette fin de match. Moi, je ne suis même plus avec vous. Vas-y, Bryce, réagis. Non, je dis, on n'aurait pas pu se souhaiter une meilleure fin. Sincèrement, c'est le Jazz ne lui fait aucun cadeau. La défense est serrée, le match est chaud. On ne lui fait aucun cadeau, mon œil. Non, s'il te plaît, arrête le hate. On défend sur lui. Regarde, le gars est en train de jouer seul. Voilà les 3 points que le gars bombarde. Accepte, tu laisses. Il met le panier sur la tête des gens. Toi, tu es là, tu es en train de hate. Il faut continuer à hate. Est-ce qu'il y a un panier qu'on met sur les 15, les gars? C'est toujours sur la tête de quelqu'un, bon. 95, un point d'écart, les gars. Un point d'écart. Ouais. On est tous d'accord, non? 59 secondes à jouer sur mon écran. Il va gagner le match.
Ça sera la victoire de Kobe. Hein. Ça ne sera pas la victoire de Lakers s'il gagne. C'est pas tout, mon combo. Il gagne plus de la moitié des points de son équipe, mon frère. Ça, c'est quel cas de match, mon frère. Parce que c'est le meilleur joueur. Est-ce qu'on avait fait pour ça, non? Est-ce qu'on avait fait pour ça? Le gars a tiré deux tiers de tirs de son équipe. Oui. C'est le problème pour moi. Je dis ce qu'il pense. Si vous voulez enlever, mettez une fois Kobe Hall of Fame. Vous comprenez, non? Mais comment il fait ça comme ça, là? Le gars a pris deux tiers des tirs de l'eau de toute son équipe, mon frère. Poupon, tu m'entends? Oui, je t'entends. Oui, attendez un peu, je voudrais que Poupon réagisse. Sur la situation de le stade de Kobe, 56 points, 4 bons, 3 passes. Une réaction, Poupon? Non. Moi, je vais parler après les 60 points. Non, tu ne peux pas parler. 58. Non, 58, c'est pas ça. Je suis sûr. 58. Les Lakers passent devant. Je suis sûr, je parle après 60 points. David Weber, une réaction? Ah, mon frère, c'est bien, c'est impressionnant. Ça. Là. On doit le dire, quoi. Qui a dit qu'elle ne veut pas parler, là? Vas-y, Popo, réagis là, combien? 58, c'est ça? 59? Ouais, il manque 2 points. Je pense qu'il manque 2 points. Il manque 2 points. C'est ça, non, Ama? 60 points. Seigneur Dieu, j'ai plus les mots. T'as plus les mots, hein? T'as plus les quoi? Ah, c'est une soirée extraordinaire. Une soirée extraordinaire en direct sur Radio Off Basket. Kobe Bryant, il a combien de points? Tu vas commencer à faire comme Jean Lambert. 58. Les mots me manquent. Sur mon écran, j'ai 58 points. 4 bons, 3 passes. Oh là 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 là. Les Lakers sont devant. 97 à 96. Je pense qu'on a filé le 2. Ici, vous avez bien regardé le match depuis 5 minutes où tu n'es plus en train de jouer. Les gars, ils veulent gagner. On a donné la consigne qu'il faut, qu'il faut le laisser. Il faut laisser, qu'il ne faut pas le match quand le lève. Oui, David. Madame Silva, non, mais attends, entre nous, sois franc. Laisse ton côté fanatique et regarde le basket. Weber. Depuis 5 minutes, les gars sont en train de jouer. Ça défend depuis. David, aide-moi ton dembla, dis donc. Mais les gars, arrêtez. Madame Silva a passé la consigne. Ama, est-ce que. Supposons que c'était deux équipes neutres qui n'avaient pas compris le fait de tirer sur Puta, non? Puta essaye de gagner le match depuis. Il n'essaye rien. Les gars, ils ont gagné le match. 5 minutes. Attendez un peu. Le doc, il reste combien de minutes à jouer là? Combien de secondes? 21 secondes. Score. Il reste 20. Il reste 19. Bon, c'est bon. Dernier ballon, t'as rien. Au-dessus, Kobe, deux lancés. Il met les deux, il a 60 points. Il aura mis les 60 points à 37 ans, les gars voulaient, avant de partir. Ah non, c'est pas deux lancés, ils sont pas encore en faute d'équipe. Ah, mais toi là, c'est comme un reporter de Canal 2, hein, mon frère, c'est quoi ça? C'est deux lancés. Vas-y, Ama, il est à combien? Deux lancés maintenant. Je sais pas s'il y a deux lancés maintenant, je sais pas s'ils sont en collectif. C'est collectif. Je sais pas s'ils sont en pile. Non, ils sont pas encore en collectif. Le voilà, deux lancés. Mais c'est 60 points. C'est bien. Linus Pascal Fouda, tu peux encore bien nous décrire l'action là. 59. Et tu sens qu'il tremble. Il a la pression lui-même. Il a la pression. Bon, il ne mène pas. Gars, mais c'est pour le truc. Gars, 60 points, c'est pas tout le monde qui met. Moi, j'ai mis ça deux fois en carrière. C'était dans un bonbon.
Enfin, tu joues contre les... Tu joues contre les... Il y aura les prolongations, il va mettre 80 points. Il a fait 60 points. Okay. C'est quoi le score? Il faut les prolongations, dis donc. Le score. Regarde ce que Gordon Hayward va faire. Regarde ce que les gars fabriquent. Le score? Il faut les prolongations, il met 80. C'est fini, le match est fini. Regarde, vraiment, quelle belle image. Ah, c'est fini. 40 secondes. Mon frère. Un match où il y a 98 points. Mais deux. Le score, je t'en prie. 98, 96, c'est ça, non? Oui, c'est 101. Il a fait ça pour lui. 101 points. 101. Je vois même les 4 secondes là, non? Donnez les 4 secondes là, il manque encore 10 points. Non, il sort. C'est bon, il sort. 60 points. Ah, vraiment, à toi souffrir bon, demain. Bon. Alors, les gars, on sait tous que c'était un match de All-Star Game, non? Les gars, Simon, vas-y, dis-nous le score et les stats. 101-96. Les stats de Kobe? Ah, avec 60 points. Les stats de Kobe? C'est pas possible, c'est du génial. Cet enfant, c'est un génie. 22-50. Bref, donne-moi les stats de Kobe, s'il te plaît. Je suis très dépassé. Les stats de Kobe Bryant. Ah, c'est ça. Oui, attends, voilà, prends là-bas, je confirme seulement. 22, 50, 6 sur 21 à 3 points, 12, 10 sur 12 au lancer, 4 rebonds, 4 assists, 1 steal, 1 bloc, 2 turnovers. Ben, voilà, 60 points. Tout simplement exceptionnel. Voilà. Une fin de soirée. Exceptionnel sur Radio Off Basket. Moi, je n'aurais pas pensé, je n'aurais jamais imaginé une situation. Ah, merci les gars. Bon, mais c'était la All-Star Game, non? Ah, c'est exceptionnel, oui, exceptionnel. Oui, bah, toi, tu pariais. C'est un match de All-Star Game. Tu pariais sur 30. Il a multiplié par 2. Non, dis-toi un peu la vérité. Ça, ce n'était pas le jubilé. Le Wanda. C'est la All-Star Game, man. Donc, les gars, les Jazz sont venus. Vous savez comme c'est bon. Allez, je parle de NBA, la radio qui vous écoute. Imaginez-vous un peu, les gars, allez, si on mettait les deux matchs au même instant, je veux dire le match des Houston Rockets et le match de Los Angeles Lakers, ce genre, ça se passe parallèlement. Le score aurait été différent. Oui, attendez un peu, on est à la fin du show, il faut maintenant que chacun réagisse à son tour. On est arrivé à la fin. Attendez. On arrive à la fin du show, le match est terminé. Hein? Chacun va réagir à son tour. Je vais leur passer la parole à Poupon. Poupon, tu m'entends? Eh ouais, je t'entends. Le dernier match de Kobe Bryant. Alors, je répète le score. Hein? 101 à 96, 60 points. C'est ça, hein? Ouais, exactement. 60 points, 4 passes, 4 rebonds. Poupon, vas-y, une réaction sur ce dernier match du Mamba. C'est la dernière fois qu'on verra le Mamba sur un parquet NBA. Non. Réagis. Non, l'émotion totale, les moments. C'est la plus belle manière de partir qui soit. Ça aurait été mieux avec un titre, mais bon. Là, Kobe, dans les dernières minutes de jeu, a montré encore qu'il reste le seul et unique Black Mamba. Ouais. Donc, ouais. J'espère vraiment. Un joueur extraordinaire. Yeah. Moi, j'espère, je ne sais pas si c'est confirmé qu'il vient au JO. Non, il a dit qu'il ne sera pas là. Non, il ne faut pas qu'il aille là-bas. Il a dit qu'il ne va pas. Qu'il n'aille pas là-bas. Il a dit qu'il ne va pas. Oui. Non, c'est clair, parce que j'avais l'espoir de le voir jouer pendant les JO. Non, c'est bon. Ouais, ok. Alors. Mais avoir vu ça, c'est. C'est une des plus belles soirées de basket que j'ai vues. En tout cas, on est très très heureux. On est très très heureux que tu l'aies passé avec nous sur le parquet de la radio off. C'est historique, hein, on n'oubliera jamais. Vraiment, merci d'avoir été avec nous ce soir. Ok. Non, c'est moi qui vous remercie. Merci la famille, merci pour ce moment de basket. On espère que tu reviendras, hein, parce que c'est la famille du basket ici. Sûr. Ok. Patrice. Ouais.
Ouais. C'est la fin du show. Il faut qu'on raccroche là. On doit fermer l'émission. À chaud comme ça. 60 points pour Kobe pour nous dire au revoir. La dernière des dernières de Kobe Bryant. À chaud, dis-nous ce que tu en penses. Oh, je crois franchement, moi-même, je m'attendais pas à ça. Vraiment, je me disais maximum 35 points, mais pas jusque-là. Et surtout qu'il était clutch. Tous les derniers tirs, voilà, c'est lui qui les a marqués. Et voilà, pour finir, j'aimerais dire ceci. En 20 ans de carrière, moi, la chose que je retiens de Kobe, c'est qu'il a les titres, il a mis 81 points, et il a les fait jouer, l'exil et tout. Mais ce qui m'a le plus marqué chez Kobe, c'est son mental. Je sais pas, j'ai jamais vu un athlète avec un mental aussi élevé. Malgré tous les. Voilà. Non. Pour moi, j'ai pas vu mieux. En termes de mental. En tout cas, on était très très heureux de t'avoir avec nous sur le parquet de la radio off ou ce der. Là, c'est der des der de Kobe Bryant. Tu as marqué l'histoire, hein? C'est une émission historique, hein? Yeah, toujours. Bref. Bref, Gachou. Ouais, il a rien à pleurer. C'est l'émotion qui pleure. Sur la fin, tu n'avais plus rien à dire. Attends, j'arrive. Tu étais en train de pleurer. Bref, tu es là. Il pleure. Je suis là. Oui, je disais que sur la fin, tu n'avais plus de mots. 60 points pour Kobe, 4 rebonds, 4 passes. Victoire des Lakers pour le au revoir de Kobe Bryant. Le dernier match, la der de der. Alors réagis, Bryce, sur ce dernier match. Qu'est-ce que tu as à dire? Vraiment, je suis content déjà que le HOF, la radio n'a pas encore la caméra pour me voir dans quelle position en larmes je suis. Ah, j'ai les larmes. Voilà. Non, mais franchement, c'est 20 ans, j'ai suivi Kobe Bryant avec toute la passion qu'il a pu créer en moi, créer en tout basketteur ou bien créer en tout fan de basket. Et sincèrement, de voir un match finir comme ça, quand tu te rends compte de comment sa saison s'est déroulée, comment ces trois dernières années se sont déroulées avec les blessures, il essaie de revenir, il essaie de repartir, il est mal entouré, le management, ceci, cela, mais il finit cette soirée avec 60 points, ses statistiques, le match n'était pas du tout facile, il s'est battu pour remonter le score, et puis il était clutch, on l'a retrouvé dans ce match, vraiment toute la définition de Kobe Bryant, c'est-à-dire le gagneur, le bagarreur, le gars qui ne laisse pas, on l'a vu fatigué comme un malade, mais il a pris les points, il a pris les shoots, on l'a vu faire 2-3 airballs en 3 points, ça ne l'a pas empêché de continuer, il a continué à marquer ses 3 points par la suite. Donc franchement, il n'y a rien à dire, non c'est super, je suis dépassé. En tout cas, on est très très heureux que tu aies passé cette soirée exceptionnelle sur la radio off. Hein, mon frère, on écrit l'histoire avec des soirées comme ça. Ah ouais, ça c'est l'histoire, c'est l'histoire en fait. Ouais. Ok. Stéphane. Yo. Allez, une petite réaction quand même sur le au revoir de Kobe, 60 points. Non, en fait, cette soirée-ci, je suis particulièrement très ému de la victoire des Golden State. Et... Non, c'est particulièrement vraiment un record comme celui-ci. Je crois qu'on en verra encore dans peut-être 10 ans. Donc, toute mon attention vraiment. Toute mon attention vraiment aux Warriors et surtout à Stephen Curry. Il y a autre chose? Non, c'est pas le Weber. Okay. Ouais, Philippe. Bon, déjà, je dois critiquer le schedule de la NBA parce que je pense que deux derniers matchs pour une place de playoff ne devraient pas se jouer en mode décalé. Ça devrait se jouer parallèlement. Donc, je pense que la NBA a tout fait pour que, que ça se passe ainsi. C'était un match de gala, c'était un match de NBA. Kobe a fait 60 points, on le connaît dans ce moment-là. C'est impressionnant, c'est très bien. Je n'aurais pas imaginé, j'aurais tout parié. J'aurais tout misé, qu'il ne pouvait pas atteindre ça, mais il a fait. C'est un gars talentueux. Bon, après tout, ce qu'on lui reproche, ce n'est pas d'être mauvais joueur, mais c'est beaucoup plus son penchant, personnel, quoi. Genre égoïsme et tout.
cette envie de vouloir tirer tout, en fait, de vouloir tourner toutes les caméras et tous les vues vers lui. Il a fait ce qu'il pouvait faire, mais il faut aussi, il n'a pas fait que du positif. Il faut aussi dire que Kobe a vraiment établi un record qui ne sera plus jamais battu en NBA, à ce que je sache. Et aujourd'hui, il a encore creusé en fond. Donc, à savoir le nombre de tirs ratés. Bon, ça restera son record après tout. Et puis, bon, mon gars, comme on dit, reposer, va en retraite et puis profite pour faire un garçon. En tout cas, on est très heureux que tu aies accepté de passer cette soirée exceptionnelle avec nous sur Radio Hop Basket. Ça nous a fait extrêmement plaisir. Le doc. Ah, le premier tir. ONP. Ah, Seigneur. L'ami, c'est l'oignon qui te fait mal aux yeux. Tu codes l'oignon, man. Je sais même pas si je vais Conan. Je vais go un peu courir, charger un peu là. Peut-être que j'ai encore là. Peut-être un avenir. Le doc ONP, à toi la dernière parole avant de mettre la clé sous le paillasson pour ce Flash Basket édition spéciale. Le dernier match de Kobe Bryant en NBA, 63 points, 4 passes et la victoire en prime. Qu'est-ce que tu as à nous dire pour Kobe Bryant? Qu'est-ce que tu retiens sur le Mamba? Je retiens, comme beaucoup de gens ont dit, il y a une génération Jordan, il y a une génération après qui n'a pas connu Jordan. Je peux comprendre au vu de la fin qu'ils viennent de voir, que certains disent que pour eux, c'est leur GOAT. Je peux comprendre, ils n'ont pas vu Jordan, donc on ne peut pas leur en vouloir. Mais voilà une fin. J'ai pas les mots. L'autre jour, on parlait même de mettre plus de 5 points. Ouais, Seigneur. Gars, j'ai pas les mots, vous partez. Mon dernier mot, c'est juste Kobe Bryant. Allez, on va mettre la clé. Bravo, Doc. Exceptionnelle, vraiment merci à vous tous d'avoir été présents en direct live sur le parquet de la radio Off. Merci à tous les auditeurs qui ont accepté de se connecter pour nous écouter, pour écouter le live show de la radio Off pour le dernier match de Kobe Bryant, le dernier match de toute sa carrière en NBA. On ne le verra plus jamais sur un parquet NBA. À partir de ce soir, la NBA sera différente. Oui, coupons. Ouais, je voudrais passer juste une petite info avant de fermer. Je voudrais inviter tout le public basket camerounais à soutenir les Lions de basket qui préparent les jeux de tournoi qualificatif pour les Préolympiques. Ouais, qui va se passer du 13 au 19 juin à Nantes. Donc, la liste va sortir cette semaine. Et le stage commence le 10 mai du côté de Piacenza en Italie. Et je vous tiendrai informé de l'actualité sur les tournois que nous avons préparés, le stage et tout. Donc bientôt, je pense que la fédération fera un communiqué à propos. De toutes les façons, comme on est en contact, donc tu nous tiendras au courant. On fera les mises à jour nécessaires dès que possible, quoi, n'est-ce pas? D'accord, ok. Ok, de toute façon, il n'y a pas de souci. On est là pour ça. La radio Off est là pour mettre à jour tous les auditeurs, tous les fans du basket à ce niveau. Allez, on va se dire au revoir. Vraiment, merci à tous d'avoir été connectés ce soir. Merci à nos participants. Je ne vous remercierai jamais assez. À chaque fois que vous êtes avec nous sur le parquet, on est très, très, très heureux. Merci à tous les auditeurs qui étaient connectés ce soir. Et le doc. Oui, papa. Tu auras la force pour tout à l'heure ou pas? Tu dis? Allô? Tu auras la force pour tout à l'heure? Oh ouais, non, on va begin au moins l'émission. Non, je vais begin au moins l'émission. Ok. Tout à l'heure, je vais begin l'émission. Non, on n'a pas de pépé. Allez, rendez-vous pour. On fait comme ça. Merci à tous. Nos limites basket. Allez, ciao. Allez, ciao les gars. On se dit on se dit à tout à l'heure pour le nos limites basket. Ciao les gars. Bye bye. Ok.
Vous êtes bien sur Radio Parquet, la radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Vous êtes bien sur Radio Parquet, la radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Vous êtes bien sur Radio Parquet, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Vous êtes bien sur Radio Parquet, la radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.